Présidente du séminaire de philologie française, cher président de l'Université Roma III, chère Anne, chère Luca, chers amis et collègues, soyez les bienvenus à la Fondation Primoli et bienvenue aussi de la part du président de la Fondation Roberto Antonelli qui est retenu à l'Accademia dei Lincei. Nous sommes particulièrement heureux que ce colloque annuel du séminaire de philologie française se déroule ici. Avec les séminaires, nous avons des rapports privilégiés. Entre autres, il y a son siège légal ici à la Fondation. Et surtout parce qu'il s'agit d'une année particulière. Riche en anniversaires importants, je pense à Dante, à Flaubert, mais aussi la naissance de Baudelaire que nous célébrons aujourd'hui et demain, et aussi la mort de Napoléon que nous venons de célébrer la semaine dernière avec un colloque. Mais surtout, il s'agit, nous l'espérons, d'une année de reprise, de rencontres en présence. Et c'est un vrai plaisir de revoir des amis avec qui on ne se rencontrait plus depuis longtemps. Comme vous le savez tous, l'organisation de ce colloque est le résultat d'une collaboration avec l'Università Roma III et en particulier grâce à l'apport déterminant de son président, Luca Pietromarchi, que nous remercions, et comme je remercie toute l'équipe qui a organisé ce colloque, et lui en particulier Luigi Magno, Paola Cattani, Andrea Schellino et notre archiviste Valeria Petito. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un, mais non, il me semble qu'ils sont les quatre. Alors, comme il s'agira aujourd'hui et demain de parler de Baudelaire et l'image, je voudrais ajouter que ces lieux où nous nous trouvons aujourd'hui peuvent être regardés comme les lieux de l'image et de l'imagination par excellence. Giuseppe Primoli a laissé l'image matérielle et spirituelle de sa présence, non seulement dans ses portraits, dans ses bustes. Il y en a un ici à côté de moi, un buste de Giuseppe Primoli, mais aussi dans ses journaux manuscrits et dans ses nombreuses photographies où sa personnalité se révèle à travers les choix très particuliers des sujets et des prises de vue. Mais regardons aussi cette salle, si vous voulez regarder, à travers le choix des images, Primoli manifeste ses goûts et sa sensibilité. Ces gouaches que vous voyez ici tout autour représentent une Rome d'ancien régime qui était sans doute chère à son cœur. Vous pouvez voir ici l'arc de Titus, je pense qu'il est là, l'arc de Titus encore enseveli dans la terre avant les fouilles voulues par Napoléon, ou les portes de Ripetta, je crois qu'il est par là, avant d'être recouvert pour permettre la réalisation des quais du Tibre. D'ailleurs, très bien, c'est cette construction des quais du Tibre est très bien documentée par Primoli, par les photographies de Primoli, qui représentent les dernières images d'une Rome perdue. Et aussi, et je termine, l'image des affinités électives de Primoli, représentée à travers les séquences des noms de ses auteurs préférés peints sur le mur. Hein. Michelet, Abou, Veuillot, Drury, France, Bourget, etc. Et bon, à vous de trouver où se trouve Baudelaire. Je vous assure que vous le trouverez quelque part dans la Fondation. Et alors, encore bienvenue et je passe la parole à Anne. Oui, Anne. Merci beaucoup, Laetitia.
Je suis vraiment très très heureuse que finalement le séminario di Filologia Francese puisse reprendre une activité en présence. C'est un plaisir énorme que de revoir ici dans la salle tant d'amis et de collègues que nous ne voyons plus en présence depuis longtemps, puisque le dernier colloque du séminario s'est déroulé à Naples en 2019. C'est l'année dernière. Nous avions décidé de sauter le colloque parce qu'on aurait pu évidemment penser faire le colloque à distance, comme maintenant nous sommes malheureusement tous habitués à faire. Mais nous avions encore pensé l'année passée que le séminario est une association qui se base tellement sur les échanges en présence que l'idée de faire un colloque à distance nous attirait vraiment très peu. Alors nous sommes vraiment très contents de pouvoir reprendre une activité en présence. Le choix de Baudelaire était un choix obligé. Le choix de l'image en relation avec Baudelaire n'était pas un choix particulièrement obligé par l'étude de la poésie de Baudelaire, mais c'était aussi un choix obligé à la Fondazione Primoli, pour les raisons que vient de nous raconter Letizia. Primoli, appelé aussi le Nadar italien, puisque c'était un des pionniers de la photographie à son époque, mais en général attaché, comme Letizia vient de nous le montrer, à la représentation par l'image de la Rome qu'il représentait, qu'il aimait tant. Donc, deux choix, je dirais, obligés, ce qui est évidemment une grande chance, parce que ça nous plonge tout de suite dans l'atmosphère de quelque chose dont nous parlons depuis longtemps. Et je suis très contente de pouvoir entendre parler de Baudelaire et l'image sous différentes perspectives. Vous avez le programme sous les yeux. Il s'agit de Baudelaire et l'image dans la poésie, l'image poétique, l'image réelle, l'image d'illustration en relation avec le texte. Il y a plusieurs perspectives qui vont être abordées et cela me semble du plus grand intérêt. Le séminario n'a pas été pour autant inactif pendant ces deux dernières années. La revue de notre séminario a continué à travailler vraiment allègrement et avec beaucoup d'entrain, puisque le numéro 11 a paru maintenant, et c'est un numéro très riche. La revue du séminario, c'est la revue italienne d'études françaises, qui est uniquement en ligne et que vous connaissez. Outre la revue, les collections du séminario ont aussi continué à tourner, puisqu'on a eu l'année passée la publication d'un volume de Jacopo Leoni et cette année-ci la publication d'un volume par les soins de Francesca Guglielmi. Ces volumes sont aussi à votre disposition pour les voir, les compulser, les contrôler, les regarder. Et naturellement, beaucoup de membres du séminario ont travaillé cette année-ci aussi sur Baudelaire. Je ne citerai qu'un seul exemple, puisque je viens de le recevoir, il est ici. Il y a quelques volumes sur la table de l'entrée. Le volume Baudelaire, Due secoli di creazione, a cura di Ida Merello e Andrea Schellino, qui ont été très actifs cette année-ci aussi pour célébrer l'anniversaire de Baudelaire. Nous aurons l'occasion de parler de tout ça pendant les deux journées qui vont nous réunir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je me rends compte que le temps de Rome et Rome même nous attire beaucoup, mais il n'est pas toujours facile pour tout le monde en plein semestre de se déplacer et de quitter ses activités académiques pendant deux journées ou une journée et demie. Donc je vous remercie infiniment et je donne la parole tout de suite à Luca Pietromarchi, le second organisateur avec la Fondazione Primoli de ces rencontres avec l'Université de Roma Tre. Je vous souhaite à tous de belles journées d'écoute et de colloques, et surtout de très fructueuses discussions. Le colloque est transmis en link YouTube, donc tout ce que nous racontons n'est pas limité à cette salle-ci, puisque le public peut nous suivre. Une seule recommandation, puisqu'il y a un link YouTube, il sera important de bien respecter les horaires, parce que plusieurs collègues qui ne pouvaient pas être présents ont pris note des horaires des communications
et on a l'intention de suivre les communications naturellement aux horaires indiqués sur le programme. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour les discussions à la fin des communications. Grazie. Prenderò la lettera, quello che ci ha appena raccomandato Anne, dunque di fare presto. Era soltanto, vorrei solo limitarmi adesso, prima di presiedere la prima seduta, di dire tutto proprio il compiacimento di Roma 3 per aver avuto l'occasione di collaborare all'organizzazione di questo convegno, del seminario di filologia francese diretto da Hans Koisman. Questa collaborazione tra Roma 3, la Primoli e il seminario di filologia, come dire, è un bellissimo nodo, diciamo così, dove si stringono tutti gli interessi della francesistica romana che poi si estendono. Tra l'altro questo luogo anche, cioè è la sintesi di tutti quelli che sono stati gli studi della francesistica italiana, cioè sempre parlare a questo tavolo ci abbiamo sempre presente in qualche modo l'ombra del professor Colesanti che ci accompagna, che ha tenuto viva questa fiaccola e siamo contenti, come dire, di continuare a mantenere attiva, viva, questa proprio la fiaccola degli studi della francesistica in Italia. Tutti noi siamo qui, come dire, in qualche modo delle sentinelle sparse in tutta Italia che devono vigilare per tenere viva la memoria, e non è un'operazione sempre facile, della cultura, della letteratura, della memoria francese, che tanto, come dire, una delle grandi, che costituisce una parte dell'essenza della nostra identità. Dunque questo è il luogo proprio, un luogo di massima importanza, un olio, come dicono i francesi, e siamo contenti di aver potuto contribuire a questa manifestazione. Grazie dunque a tutta l'equipe che ha lavorato all'organizzazione, grazie naturalmente a Letizia Norci, che veramente è lei la vestale vera e propria di tutta questa cosa, naturalmente Roberto Antonelli, il presidente della fondazione, senza dimenticare il contributo sempre forte, generoso, sempre presente dell'ambasciata di Francia, dell'Institut Français, soprattutto nella persona di Claire Thuaudet, che è la consigliera culturale dell'ambasciata. Grazie. Je pense que nous pouvons commencer tout de suite avec la première communication. Je vais céder la place Luca Resta, puisqu'il est président de séance. Et alors, nous voilà pour l'ouverture de la séance de notre colloque. Ce colloque, Laetitia l'a dit très bien, bien sûr, il fallait célébrer, le choix était entre Flaubert et Baudelaire, 1821. Les Russes n'auraient pas eu d'hésitation en choisissant Dostoïevski. Nous avions ce doute. Nous avions consacré ici, à la Primoli, un très beau colloque sur les personnages de Flaubert, disons, avant le Covid, juste avant. Et donc, c'est sur Baudelaire qu'a échoué notre choix. Étant ici, Laetitia l'a rappelé, un haut lieu aussi de la photographie du 19e siècle, Primoli étant aussi photographe, et disons, sa dévotion au culte de l'image est partout évidente. Donc, nous devions presque automatiquement de choisir un thème comme celui qui est celui de notre colloque aujourd'hui, Baudelaire et l'image. Voilà. Raison très simple, très facile,
immédiate. Nous connaissons tous, comment dire, cette grande phrase « dans mon cœur mise à nu », et nous avons, mais je le dirai après, le grand éditeur de ce texte si important, « les images, ma grande, mon unique, ma première passion ». Donc nous sommes au cœur de l'esprit de Baudelaire. Et immédiatement, les images, nous pensons à la peinture. D'autre part, la première œuvre publiée de Baudelaire est un salon. C'est sur ces salons, sur son livre sur le peintre de la vie moderne, qu'il doit sa première renommée. Or, la peinture pour Baudelaire, simplement des petites traces. Qu'est-ce que la peinture, l'idée de peinture, ce royaume des images pour Baudelaire, sinon le lieu, je dirais, de la révélation, de la possible révélation de la surnature. Et qu'est-ce que la surnature pour Baudelaire, sinon ce qui donne, et je cite, aux choses un sens plus profond, plus volontaire, plus despotique. Profond, volontaire, despotique. Et c'est justement dans cette profondeur, dans cette profondeur, nous trouvons un nom, disons, qui est celui naturellement de Delacroix. Or, dans cette profondeur qui a le nom de Delacroix, le monde se fait éloquent. Le monde découvre une particulière forme d'éloquence, une éloquence immédiate. Tout se fait transparent. Je cite, « C'est là où les sons résonnent musicalement, où les couleurs parlent, où les parfums racontent des mondes. » Tel est, selon Benjamin, le royaume souterrain de l'image. Très belle expression de Benjamin sur ça. Donc, raisonner, parler, raconter. Il y a vraiment une éloquence de l'image, une toute spéciale éloquence de l'image où tout résonne d'un timbre particulièrement clair. Et nous trouvons cet écho, ce son de corps dans les fleurs du mal, ces sons cristallins qui résonnent. Et cela, en fait, c'est peut-être un dialogue, encore une fois, une conversation entre la poésie et l'image qui se développe. Dans le sens qu'il me semble, c'est une piste possible, que cette éloquence de l'image lance comme un défi à la poésie, qui est l'espace de la parole. Une parole qui devra donc se hausser au niveau de l'image et trouver justement cette forme d'éloquence de l'image, faire parler les mots, faire résonner les voyelles, raconter des mondes, toujours dans l'idée de respecter cette idée d'un monde volontaire, et c'est la poésie avec, comment dire, sa mesure, sa profondeur et son caractère despotique. Combien de fois le jeu de Baudelaire, comment dire, s'affirme avec résolution, avec force, une sorte de, presque de provocation. Donc, une parole profonde, volontaire et despotique, une parole imagée, finalement, et combien nous en connaissons chez Baudelaire. Une parole imagée qui, on pourrait dire, ravit à l'image et non seulement à la musique son bien. Telle pourrait être vraiment la formule qui pourrait ouvrir une piste de lecture. Voilà, ça c'est, comment dire, un aperçu, une possibilité. Il y a deux exemples immédiats qui viennent à l'esprit, qui sont alors des poésies où directement Baudelaire s'affronte avec des images, les Bohémiens en voyage, et la poésie inspirée par l'homme aux boules, c'est pas le cerveau qui éclate, comment s'appelle-t-elle ? Le cerveau, le... Ah, Andrea peut-être là, c'est... Homme aux boules, en tout cas le... La poésie consacrée à ce
ce petit sur une tortue et qui souffle des bulles de savon dans l'air. Bon, on verra. Et voilà donc ce que je voulais dire. La parole imagée, les soirs voilés des vapeurs roses, l'espace profond, toujours ce souci de couleur, de profondité. Peut-être c'est bien ce défi que l'image pose à la poésie et la poésie qui justement tâche de lui reprendre son bien. Tout cela pour dire l'honneur, la joie, le bonheur de pouvoir ouvrir ce colloque avec la première, d'avoir pu confier la première séance, la première intervention à André Guyot. André Guyot est il grande amico della francesistica italiana, semplicemente. Non potevamo veramente trovare interlocutore migliore, amico più fedele per aprire questo convegno. André Guyot est l'éditeur, vous le savez, de Baudelaire, a consacré de très importantes études à Rimbaud, il est vrai, mais peut-être désormais, ça fait depuis des années qu'André Guyot travaille sur Baudelaire, il est en train de préparer une nouvelle Pléiade. Il a été pour nous tous l'éditeur avant tout de Mon cœur mis à nu, des Fusées. C'est un texte qui a remis en place ses écrits, ses pages, avec une annotation si précise, si riche. Et surtout, André a resitué, en quelque sorte, Baudelaire dans le côté du, comment dire, non orthodoxe, ses rapports avec Demestre, par exemple, si importants dans la lecture qu'André Guyot a donnée de Baudelaire. Donc, c'est avec le plus grand plaisir que je vous invite à suivre l'intervention d'André Guyot, et notre ami André, sur le culte des images et la reine des facultés. André. Merci, Luca. Est-ce que... Voilà. C'est bon comme ça? Ah oui, vous m'entendez bien. Oui, avant de vous parler du sujet que je vais aborder, je voudrais dire que je suis parmi les baudelairiens particulièrement inconsolable du fait que Baudelaire ne soit jamais venu en Italie. C'est quelque chose que... Ils sont tous venus en Italie, ou presque tous. Il n'a pas eu l'idée de ce voyage. Il a donc connu l'Italie par l'image, justement, par la peinture du Louvre, par les gravures, par la sculpture aussi, puisque... L'image, j'en reparlerai tout à l'heure, est aussi l'image du corps entier, l'image du corps sculpté. Les deux formules que j'ai choisies pour le titre de ma communication sont tellement connues que dans le programme, on a oublié d'y mettre des guillemets. On a bien fait, je crois, elles sont passées dans le langage courant, mais ce sont des citations de Baudelaire, « culte des images » et reine des facultés. Et j'ai un peu de honte à vous les livrer comme ça, elles sont si connues, elles sont des slogans en quelque sorte, des tubes, je dirais, du baudelairisme, de Baudelaire et du baudelairisme. Mais je voulais justement me replonger surtout dans l'une d'elles, qui est extraite de Mon cœur mis à nu. Je vous montrerai tout à l'heure l'extrait sous la forme d'un facsimilé du manuscrit. Le culte des images. Mon intervention n'a pas d'autre but que d'essayer de définir image. Luca, tout à l'heure, esquissait déjà une première définition en appelant la peinture, où nous y pensons spontanément, bien sûr, qui a tellement captivé Baudelaire, d'essayer de trouver le sens du mot image ou de réfléchir un peu, ce n'est qu'une esquisse de réflexion que je vous proposerai sur le mot image au singulier et le mot image au pluriel, suivi d'une réflexion sur la relation possible entre image et un dérivé du mot image qui est imagination. À l'occasion de ce colloque, nous repensons que cette reine des facultés, comme la désigne Baudelaire dans le Salon 1859, est un mot qui dérive du mot image. Il y a trois moments, je voulais vous les rappeler, dans l'œuvre autobiographique de Baudelaire, où
il utilise le mot « image » au pluriel, « culte des images », c'est l'une des trois citations, en rapportant cette passion de l'image à l'enfance. En tout cas, à un état antérieur à l'âge adulte, voire antérieur à l'usage de la parole. On y reviendra. Peut-être ces trois moments sont-ils assez rapprochés dans le temps. Il y en a un qui est dans le salon de 1859, donc en principe, il est de 1859. Un autre qui n'est pas daté, mais qui vient d'une note autobiographique que Baudelaire a communiquée à l'un de ses amis, qui pourrait être, c'est ce que dit Claude Pichois dans son édition de la Pléiade, du début de 1860. Et un troisième qui est dans Mon cœur mis à nu, qui est beaucoup plus difficile à dater, mais enfin qui pourrait se rapprocher, pourquoi pas. On peut en faire l'hypothèse, il y a peut-être quelques indices, voulant que ces trois moments soient rapprochés dans le temps. Si vous voulez bien, nous lisons ensemble le premier, mettons que je les donne dans l'ordre, dans un possible ordre chronologique, qui place en tête cet extrait du Salon de 1859. Baudelaire se reporte donc à sa jeunesse, très jeune, mes yeux, remplis d'images peintes ou gravées, n'avaient jamais pu se rassasier, et je crois que les mondes pourraient finir avant que je devienne iconoclaste. C'est le Baudelaire des musées et des expositions, le Baudelaire des salons auxquels nous pensons. Et il fait apparaître, dans l'enfance, très jeune, une sorte d'identité qui prévoit cet avenir qui lui a été donné, de hanter les expositions et d'adorer la peinture. Je vous rappelle qu'il fréquentait assidûment le Louvre, qu'il a écrit beaucoup de critiques d'art, qu'il avait une habitude probablement quotidienne du rapport à l'art, et qu'il collectionnait les gravures, n'est-ce pas ? Il ne faut pas oublier ça. Il a été un collectionneur de gravures, achetant des gravures, les accrochant, par exemple, les gravures de Delacroix. Illustrant Hamlet était dans l'appartement qu'il a occupé à l'hôtel de Lauzun sur l'île Saint-Louis. Il a collectionné Mérion, etc. Il se reporte à des yeux très jeunes, dit-il, et je ne résiste pas à vous rappeler le moment, Lucas parlait de la croix, qui est évidemment quelque chose de très très important pour Baudelaire, le moment où il se trouve en présence d'un de la croix pour la première fois. Il a 17 ans, il est collégien à Paris, et son collège visite le château de Versailles. Et à cette occasion, il voit... Allez-y, vous, si vous voulez faire un pèlerinage baudelairien, il voit la bataille de Taillebourg de Delacroix et tombe en arrêt. C'est la première vision qu'il a de ce qui va devenir si important dans sa vie. Cet extrait, donc, c'est ce dont il parle à nouveau. Voici le deuxième extrait dans une note autobiographique du début de 1860, probablement, il semble... qu'elle ait été rédigée pour Edmond Duranty, et donc Pichois, je ne vais pas faire le détail de son raisonnement, envisage de le dater de ce moment-là, donc assez proche du 1859. Et voilà ce qu'il dit en résumant en quelques mots, en quelques phrases nominales, son verbe, quelques étapes de ce qui est sa vie, sa carrière, ses attaches, ses affinités. Et il note ceci, « Goût permanent, depuis l'enfance, de toutes les images et de toutes les représentations plastiques. J'appelle votre attention sur toutes les images. » Vous observerez aussi la coordination, la solidarité qu'il inscrit en les coordonnant entre les images et les représentations plastiques. Les représentations plastiques, c'est la peinture, c'est la gravure. La même note autobiographique, donc probablement destinée à Duranty, restitue un peu plus haut
ce que fut l'atmosphère, en quelques mots rapides également, de la première enfance de Baudelaire au moment où son père était encore en vie. Il meurt alors qu'il n'a pas 6 ans, rappelez-vous, dans un hôtel particulier de la rue Hautefeuille, qui a malheureusement été détruit par les embellissements, si j'ose dire, du baron Haussmann. Et à l'intérieur de cet appartement, il a vu des choses. Il les évoque au début de cette note autobiographique qu'il communique à Edmond Duranty. Il dit ceci, et c'est le tout début. « Vieux mobilier Louis XVI, antique, c'est-à-dire des sculptures antiques, consulat, c'est une période de l'histoire, pastel, société 18e siècle. » Voilà tout ce qu'il dit. J'attire votre attention sur le mot « pastel ». On ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans cet appartement, mais on connaît quand même un certain nombre de choses. On peut imaginer, puisque le père de Baudelaire était peintre, qu'il y avait des peintures de François Baudelaire. Si vous allez à Paris pour l'exposition Baudelaire qui se tient pour le moment, il y a une peinture de François Baudelaire. On en a retrouvé très peu, 3 ou 4 à peu près. Il y en a une qui est accrochée à cette exposition. On sait qu'il a peint des pastels. Donc, quand il dit pastel, il pense peut-être au pastel de son père. On ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans cet appartement, mais il y a quand même un inventaire après décès qui est très précieux. Et je ne résiste pas à vous rappeler que dans cet inventaire après décès se trouve une collection de gravures de Piranèse, puisque nous sommes à Rome, et que donc on ne peut pas exclure que le tout jeune enfant, avant d'avoir 6 ans, son père meurt en février, il aura 6 ans en avril, il ait vu des gravures de Piranèse. C'est toute une bibliographie qui existe sur ce sujet, je ne vais pas entrer en elle, mais il y a des travaux sur le caractère hypothétiquement, disons, piranésien de certains textes de Baudelaire, notamment Rêve parisien, dont Les fleurs du mal, Symptômes de ruine, qui font apparaître une espèce de vertige des lignes. Le troisième moment, ben revenons-y, c'est le plus connu, c'est cette phrase que je vous propose de lire sous la plume de Baudelaire. Le manuscrit de Mon cœur mis à nu est conservé à la Bibliothèque nationale, donc tout ça est numérisé, vous pouvez prendre facilement ce texte que je relis, on va s'y arrêter, Dieu sait s'il est connu, mais je pense qu'on peut encore réfléchir sur cette formulation « glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion ». Il est tentant, je vous le disais, de rapprocher ce troisième extrait que je vous cite des deux autres. Je vous signale un indice qui permet de le diriger vers les années 59, 60, 61. C'est la suite de ce que je viens de vous lire, « Glorifier le vagabondage » et ce qu'on peut appeler le bohémianisme, « culte », on retrouve le mot « culte », de la sensation multipliée s'exprimant par la musique en référé à Liszt, et l'on sait, puisque c'est au moment où il s'engage pour Wagner que Baudelaire a rencontré Franz Liszt, qu'il avait entendu en concert à Paris, bien entendu, mais l'a rencontré personnellement en février 1861. C'est un indice, ce n'est pas plus qu'un indice, mais qui permet peut-être de situer dans ces mêmes années ou ces mêmes mois ce moment rétrospectif vers son enfance et vers les premiers signes de ce culte ou de cette passion. Je vous propose 3 réflexions, 3 précisions, 3 mises au point d'abord, si vous voulez, bien sûr, cette petite phrase. Je dis phrase avec hésitation, ce n'est pas exactement une phrase. Il n'y a pas de verbe conjugué, il y a néanmoins un verbe glorifié qui revient 2 fois, puisqu'il faut mettre en parallèle, bien sûr, cette glorification des images et la glorification du vagabondage et de la musique. Il faut comprendre dans quel sens se trouve là le terme glorifié.
Mon cœur mis à nu est un capharnaüm de notes qui sont préparatoires d'un livre qui n'a pas abouti, que Baudelaire n'a pas achevé. Hein. Il est mort trop tôt. Et ce sont des notes qui souvent sont prospectives, c'est-à-dire il indique pour mémoire et pour lui-même ce qu'il compte faire, un portrait de, un chapitre de, et il compte, si je paraphrase en complétant cette phrase, il compte dans mon cœur mis à nu, glorifier le culte des images. C'est un but qu'il se donne, glorifier le culte des images. Et puis s'ouvre cette parenthèse, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Et justement, la deuxième mise au point que je vais faire, elle concerne cette formule, le culte des images, qui a six syllabes, hein, pour ceux qui aiment retrouver le vers dans la prose, dont je suis, il y a six syllabes dans cette belle formule. C'est la moitié d'un alexandrin, hein, c'est un hexamètre dans la prose, le culte des images. Ben, j'ai découvert que le culte des images, c'est une formule qui existe, c'est presque un emprunt que fait Baudelaire au langage des historiens et des théologiens, qui désigne d'une manière un peu moins savante ce qu'on appelle aussi l'iconodulie, n'est-ce pas ? L'iconodulie, ou culte des images, est condamnée dans le Décalogue, dans le Deutéronome. Elle apparaît par exemple dans un livre important sur le sujet, de Ernst Kitzinger, le culte des images avant l'iconoclasme. Donc c'est une formule toute faite. Je ne jurerai pas que c'est un emprunt, c'est toujours assez délicat d'aller jusque-là, hein, et que cette formule culte des images ait un sens religieux par l'emprunt. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'elle l'a, malgré la réserve qu'on peut faire, ou la prudence dont je crois que je dois faire preuve, je crois qu'elle l'a. Une connotation religieuse. Il faut relier cette formule et peut-être tout, cette ligne ennemie là que je vous mets sous les yeux, à la tradition catholique, je pense, n'est-ce pas ? Glorifier, culte, image sont des termes qui sont religieusement connotés. Je le dirai avec une certaine prudence, également du dernier mot, passion. Passion. La passion du Christ, même si c'est dans un autre sens que Baudelaire l'utilise, bien entendu. Troisième mise au point, nous qui connaissons les textes de Baudelaire sur l'art, son engagement, sa passion justement pour la peinture, nous avons tendance à donner à image le sens image peinte. Je veux quand même rappeler, je le faisais tout à l'heure en termes biographiques, si vous voulez, qu'il y a la gravure, qu'il y a la sculpture, qu'il y a toutes sortes d'images, qu'image a aussi un sens religieux, que dans l'autre extrait que je vous citais, il y a cette formule « représentation plastique en général ». Je ne suis pas sûr que nous relierions aussi bien image à la peinture en ne lisant que cet extrait, si je ne vous avais pas lu les deux extraits précédents où l'on voit qu'il précise « image peinte, image gravée ». Dans le culte des images, au sens religieux, toutes les formes d'images sont impliquées, y compris les images sculptées. Dans la condamnation de l'image du décalogue, il y a une condamnation des toutes les représentations de toutes les images. Et il y a bien sûr les images gravées. Et puis il y a une forme d'image qui est le portrait. C'est le premier sens que donne le petit Robert au mot image. Représentation, reflet, portrait. Souvenez-vous de l'aventure ou de la mésaventure de Narcisse tel que Ovide.
la raconte, le mot d'Ovid, mot latin, pour désigner ce que Narcisse voit dans la fontaine, c'est imago. Je ne suis pas en train de suggérer l'idée qu'à travers le mot image et dans la formule culte des images, il faut comprendre culte de soi, puisque parmi les images, il y a l'image de soi et que Baudelaire s'est laissé photographier, s'est laissé peindre, représenter. Mais quand même, je vais vous faire apparaître maintenant les quatre occurrences du mot image dans les fleurs du mal, du mot image au singulier. Et vous conclurez avec moi, on va les lire rapidement, que dans chacune de ces occurrences, il y a le portrait, le reflet, l'image au sens sculpté, au sens reproduction, au sens reflet de soi. Voici l'homme et la mer. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Je ne vais pas relire ces beaux vers que vous connaissez, mais peut-être seulement la deuxième strophe, c'est le début du poème, n'est-ce pas ? Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, etc. Baudelaire, dans la situation où il se met devant la mer, devant l'océan, se retrouve dans le positionnement de Narcisse et recrée cette situation, n'est-ce pas ? C'est ce qu'essaye de faire le jeune homme amoureux de lui-même sous la plume d'Ovide, de s'embrasser, n'est-ce pas ? Il tend les bras, souvenez-vous de l'épisode, vers ce qu'il prend pour un autre et qui n'est que lui-même. Tu l'embrasses des yeux et des bras. Il y a donc le corps entier, la sculpture, les trois dimensions, le reflet complet. Voilà le second, la seconde occurrence. Elle est dans Un voyage à Cythère, long poème, ridicule pendu. Tes douleurs sont les miennes, donc l'identification est claire avec le pendu. Et puis au moment où le mot image intervient à la rime, c'est dans la dernière strophe que vous avez sous les yeux, dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image, mon image. Troisième épisode, c'est dans Le voyage, amer savoir celui qu'on tire du voyage, le monde monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, nous fait voir notre image. On est dans l'acception image-reflet, comme dans les deux autres occurrences. Vous observerez que dans les deux cas que je viens de citer, image est à la rime. Il est tentant de mettre un mot comme image à la rime, un mot qui rime avec visage, un mot qui rime avec nuage, un mot qui rime avec courage, avec voyage, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des rimes difficiles, hein, tous ces mots. Le troisième moment des fleurs du mal est peut-être un peu moins caractéristique de l'idée de reflet, de ce premier sens que donne un dictionnaire courant du mot image, c'est dans Le Cygne, c'est ce célèbre début de la deuxième partie, là je ne résiste pas à le lire quand même, c'est tellement beau, Paris change mais rien dans ma mélancolie n'a bougé, palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, allégorie c'est-à-dire image, je vous signale, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs, aussi devant ce Louvre, une image m'opprime, je pense à mon grand cygne. L'image, c'est le cygne, c'est l'oiseau. Comme il y a d'autres images dans les fleurs du mal, il est là, avec sa dimension allégorique. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que Baudelaire, c'est le cygne en question, qu'il y a une identification claire entre cet oiseau-là, et avec d'autres oiseaux d'ailleurs, de Baudelaire, du poète, au cygne et à son état d'exclu, d'exilé, dont le monde et dont Paris ne veut pas, ou dont, qui ne veut pas de son lieu d'exil.
Le culte des images. Dans la poésie de Baudelaire, je ne vous dis qu'une chose élémentaire en l'exprimant de cette manière, devient une culture de l'image. Une fois qu'on a le mot « image » à l'esprit et qu'on feuillette ou qu'on lit « Les fleurs du mal », je dirais qu'il n'y a guère que cela. Le poète va vers l'image comme vers un prolongement de lui-même, de sa pensée, par l'imagination. D'où, vous l'observerez, la position privilégiée de l'image qui vient comme dans le cours de la phrase en deuxième position. Je crois que les stylisticiens ou les grammairiens diraient en prédicat ou en deuxième partie du vers. Je vous lis par exemple dans « Causerie »,« Mais la tristesse en moi monte comme la mer ».« Monte comme la mer », c'est le second hémistiche, c'est l'image. Ou bien « Vous êtes un beau ciel d'automne clair et rose ».« Un beau ciel d'automne clair et rose », c'est l'image. Je ne vais pas vous rappeler, mais en vrac comme ça. Vous voyez les phares, par exemple, avec ces strophes qui portent toutes à l'incipit, un nom de peintre ou d'artiste, Rubens, voilà, il est là, c'est le premier, c'est le sujet qui est posé, et puis Fleuve d'oubli, voilà, c'est ça, Vinci, je ne sais plus ce qu'il dit, non, c'est Rubens, Miroir profond, etc., et tout, ils défilent tous. Le premier poème des Fleurs du Mal est plein d'images, les vices, d'où se détache l'ennui, avec ses images propres, hein, un échafaud, quelqu'un qui fume, etc. Vous voyez la fin de ce poème. Mais les vices ne sont que des images. C'est un jardin zoologique, des chacals, etc. Voilà. Vous observerez aussi que l'image, même dans ce traitement si merveilleusement poétique des Fleurs du Mal, a toujours, je crois qu'il faut rappeler ça pour bien comprendre Baudelaire, hein, a toujours une intention didactique. On dirait que Baudelaire, comme un professeur, si j'ose dire, essaye de faire comprendre quelque chose, d'où son goût particulier de la métaphore, de la comparaison. Il assume la comparaison comme, il y en a tant qu'on veut, parce qu'il veut montrer par l'analogie, et l'analogie est éminemment poétique, mais avec cette intention pédagogique, hein, qui est indéniable. Vous vous souvenez peut-être de la manière dont il explique dans une très belle lettre au critique Armand Fraisse ce que vaut le sonnet. Hein, et il dit, le sonnet est magnifique parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. Et il ajoute, et voilà le défilé des images, « Avez-vous observé qu'un morceau de ciel, aperçu par un soupirail, ou entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, donnait une idée plus profonde de l'infini que le grand panorama du haut d'une montagne ?» Ce ne sont que des images pour faire comprendre, voilà, puisqu'il est dans la conversation épistolaire, il veut dire quelque chose, faire comprendre quelque chose, et il cède, hein, à cette pulsion en tant que poète, lorsqu'il est poète. Le dieu des images a trouvé son prophète en la personne du poète rhétoricien, qui peuple les Fleurs du Mal d'images de toutes sortes, on en reparlera, j'imagine, dans le cadre de notre colloque, d'images réelles, trop réelles, comme une charogne, d'images symboliques comme un tirse. Baudelaire déclare au chapitre 3 du Salon de 1859, intitulé, je vous le rappelle, « La reine des facultés », ce qui est une image, hein, la reine des facultés déjà, déclare ceci à propos de l'imagination, « Elle a créé au commencement du monde, au commencement du monde, l'analogie et la métaphore. » Voilà. Elle dispose, dit-il encore, d'un immense magasin d'observation. Le monde est plein d'images.
qu'il faut voir, dans lequel elle puise, qu'elle redistribue, qu'elle transfigure, qu'elle recrée. Ce qui la rend plus vraie, dit Baudelaire, il tient à cet argument de la vérité, qui est une forme de réfutation qu'il veut infliger aux réalistes, hein, qui croient qu'ils détiennent la vérité, voilà, les romanciers réalistes. Et elle est aussi plus universelle, elle s'exerce dans tous les domaines, si vous avez gardé à la mémoire le développement, l'argument de ce chapitre du Salon de 1859 intitulé « La reine des facultés », il dit que l'imagination est nécessaire à toute fonction. Je dirais en le caricaturant qu'un notaire doit avoir de l'imagination, qu'un pharmacien doit avoir de l'imagination, que l'imagination est ce qui donne le sens et que rien n'aboutit sans elle. Souvenez-vous maintenant des trois fragments que nous relisions ensemble au début de mon exposé. Les trois fragments reliaient la passion pour les images à l'enfance, explicitement, non, je vous le disais, dans les deux premiers, depuis l'enfance, très jeune mes yeux et le début du voyage, c'est pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, n'est-ce pas? Je pourrais rappeler tant d'autres, faire tant d'autres citations qui recoupent cette idée. Dans l'extrait de Mon cœur mis à nu, il n'est pas explicitement fait référence à l'enfance. Baudelaire a utilisé un autre adjectif, primitive passion. Je vais vous remontrer peut-être cet extrait. Vous voyez, glorifier le culte des images, je vous disais tout à l'heure que le culte des images c'était un quasi-hexamètre. Et je vous signale que ma grande, mon unique, ma primitive passion, c'est ce que les stylisticiens, je crois, appellent la cadence majeure, c'est-à-dire première épithète qui n'a qu'une syllabe, deuxième épithète qui en a deux, troisième épithète qui en a trois. Ma grande, mon unique, ma primitive passion. En principe, il doit y avoir équivalence entre le contenu d'une parenthèse, on revient à ce texte, hein, si vous le voulez bien, et ce qui précède. Vous me direz si ce qui est entre parenthèses, ma grande, mon unique, ma primitive passion, se rapporte à image ou se rapporte à culte des images. Remarquez également ce petit paradoxe, je n'ose pas parler d'oxymore parce que je trouve qu'on en parle trop souvent s'agissant de Baudelaire, qui fait que passion, ce mot terrible, est mis entre parenthèses. Qu'à l'intérieur des parenthèses vient une confession qui a pourtant un caractère particulièrement fort. Et puis il y a ce terrible mot de primitif. Il y a en peinture une école, ou pas, je veux pas une école, une époque, je dirais, qu'on appelle celle des peintres primitifs. On dit des peintres primitifs qu'ils racontent la Bible pour les illettrés. C'est-à-dire qu'ils représentent des scènes que celui qui ne sait pas lire peut voir. Incidemment, dans un autre passage de Mon cœur mis à nu, Baudelaire fait l'éloge des peuples primitifs, des peuplades primitives. Mon idée, c'est que cette primitive passion, en choisissant ce terme, Baudelaire veut la situer avant le moment où il a eu l'usage de la parole. Qu'il a, comme les illettrés, mais il n'était pas destiné à le rester, vu avant d'avoir entendu et d'avoir parlé. Il y a un vers d'Horace qui dit, je ne peux pas vous le citer en latin, qui dit que
ce qu'on voit est toujours plus fort que ce que l'on entend ou ce que l'on lit. Il existe un débat, je voulais aussi y faire une trop brève allusion, j'approche de mes conclusions, rassurez-vous, dans la critique, sur le rapport de Baudelaire à l'image et sur la question de savoir si pour lui l'image est silencieuse ou l'image parle. Je vous cite par exemple Rémi Brague, un essayiste, auteur d'un ouvrage intéressant sur Baudelaire, qui dit que Baudelaire va vers l'image parce que il peut lui faire dire ce qu'il veut, parce qu'elle ne répond pas, parce qu'elle est silencieuse. Et l'idéal de Baudelaire, vous pouvez imaginer des arguments psychologiques, est de ne pas avoir d'interlocuteur, puisque de toute façon, il croit qu'il est incompris. C'est qu'il n'y ait pas de réponse, c'est qu'il n'y ait pas de question venant de quelqu'un d'autre. Et l'image idéale est l'image silencieuse. Voilà, est silencieuse. Et Rémi Brague cite une belle formule extraite d'un poème de jeunesse, « Muettes images ». Au contraire, selon d'autres lecteurs de Baudelaire, les images parlent. C'est le cas d'un critique italien, Roberto Calasso, dont on a publié un livre et traduit en français, et dont on vient de publier un petit livre retrouvé, qui s'intitule « Ce qui est unique chez Baudelaire », qui est paru cette année aux Belles Lettres en 2021. Pour Calasso, la méthode de Baudelaire contemplateur, critique, amateur d'art, esthète, si vous voulez, interprète de l'art, cette méthode consiste à traiter les images comme si elles parlaient. Donc il y a dialogue pour lui. Bon, je ne vais pas trancher, moi je ne suis pas, je me sens pas très qualifié dans ce débat, qui est peut-être un peu un faux débat. Il me semble qu'ils ne sont pas tellement en désaccord, mais il est vrai qu'il est un peu tentant de se poser cette question. Si vous prenez, par exemple, pour un peu argumenter, ce texte si beau et si connu aussi du début du spleen de Paris, il s'appelle « L'étranger ». Vous voyez qu'il y a une conversation, une fausse conversation, un faux dialogue, entre un étranger, on peut penser que c'est Baudelaire par exemple, et quelqu'un qui lui pose des questions, mais qui êtes-vous, vos parents, votre famille, etc. Bon. Visiblement, l'interlocuteur, l'étranger, est importuné par ces questions. Il n'aime pas y répondre, il répond évasivement, il répond de manière un peu provocante et rapide, il répond à la manière des réponses de Baudelaire, voilà. Et il regarde les nuages. Et les nuages, ce sont des images. Et les nuages, ils ont des formes. L'imagination peut s'y retrouver et imaginer des formes. Voilà. Et ils sont silencieux, les nuages, comme les images. Vous ne m'en voudrez pas donc d'avoir donné, conservé une signification un peu primitive. Elle aussi, dans la relation que je vois, qui me paraît toute simple, entre image et imagination, l'image est censée être ce qui est reçu, mais c'est aussi ce qui se recrée par l'imagination, et l'imagination n'est rien d'autre que la pourvoyeuse d'image. Elle est la sœur de la mémoire à ce titre, sa sœur jumelle. Elles habitent, je dirais, le même univers où il n'y a qu'à puiser, encore faut-il savoir le faire, puisque Baudelaire a voulu introduire, comme il le fait souvent, des distinctions. Et il y a dans le genre humain ceux qui ont de l'imagination et qui sont partout, hein, tous les métiers, et ceux qui n'ont pas d'imagination. Et c'est une forme de génie, ceux qui ont de l'imagination. Si je devais conclure donc cette réflexion, qui n'est qu'une ébauche et qui n'a pas de conclusion possible. Je dirais que dans la confession prospectiviste que vous avez sous les yeux, extraite de Mon cœur mis à nu, glorifier le culte des images, etc., il y a l'amour de l'art, bien sûr, qui n'est que le développement par l'esthète devenu adulte
de vision de l'enfance, de la première enfance, qui regarde avant de parler, qui ne connaît pas l'alphabet. Il y a l'allusion à ce qui a donné à Baudelaire le sens qu'il voulait donner à sa vie et à son œuvre, il y a comme un résumé synthétique comme ça de sa vie, de la logique de sa vie, voilà. Il y a peut-être aussi, comme je voulais le voir dans le mot « passion » en rappelant le sens fort et biblique de ce mot, la souffrance de celui qui n'a que les mots pour transformer les images. Je vous remercie. On a plus de temps, hein, puisque... Oui, on a un peu plus de temps du moment que nous avons cette intervention, c'était l'intervention d'ouverture, dans le sens vraiment musical. Oui. Très belle ouverture, vraiment. Plus belle ouverture, vraiment, dans le sens musical, nous ne pouvions l'espérer. Merci, André. Combien de pistes, combien de suggestions. Certainement, ta conclusion également... ramène malgré tout dans cette possible discussion, de cette possible interrogation sur le silence des images, le silence des nuages, pour reprendre la rime. Il faut bien dire que l'image du nuage est très éloquente pour Baudelaire, parce qu'il y a derrière le grand peintre des nuages qui est Boudin, n'est-ce pas, qu'il admire. Donc cette idée d'une rivalité entre l'image, voire le nuage, et la poésie. Peut-être l'image est-elle muette, et ça c'est ce qu'il me semble une des grandes pistes que ton intervention ouvre, l'image est-elle peut-être muette, mais sans doute c'est au poète, c'est à lui c'est au poète qu'il se doit de faire parler l'image. Donc, cette tentative d'arracher l'image au silence de la peinture, éventuellement. Bien. Et surtout, j'ai trouvé particulièrement pertinent toutes ces récurrences du mot « image » qui renvoient toujours à un reflet de soi. La vérité du soi s'exprime à travers le reflet qui projette l'image. Donc, faire parler l'image veut dire parler de nous à travers ce jeu de reflets. Voilà une des pistes, et ça vraiment, c'est Baudelaire pur, dans tous les sens. Donc, merci pour toutes ces pistes, et je voudrais vraiment donner la parole à la salle pour éventuelles réactions, questions, interrogations, suggestions. Prego. In fondo la vita del Covid, al tempo del Covid, è una vita appannata. Passiamo gli anni a giocare con gli occhiali, une vie embuée, si può dire. Voilà. Andrea Del Lungo. Oui, j'enlève mes lunettes pour vous voir, justement, pour mieux vous voir. Non, je plaisante. Une petite curiosité par rapport à cette possible identification par la rime aussi, image-nuage, et par rapport à ce premier poème donc, du Spleen de Paris, qui se termine précisément sur l'image du nuage comme seul objet d'amour de cet étranger. Mais il y a un fil thématique dans le Spleen de Paris, parce que l'image des nuages, est, on la retrouve dans un poème qui s'intitule « La soupe et les nuages », où en revanche, les nuages sont chargés d'une toute autre signification, parce que dans ce dialogue entre le poète, on imagine, et son infâme concubine, qui lui sert une soupe, on imagine, exécrable, l'injonction finale, je cite de mémoire, l'insulte finale, c'est de traiter ce pauvre homme comme sale bougre de marchand de nuages. Donc il y aurait un culte de l'image, mais aussi une chute, peut-être, de l'image, de ce point de vue-là.
Oui, mais ça, c'est tout Baudelaire aussi, c'est-à-dire il y a de la contradiction. La contradiction, je pensais aussi au ciel bas et lourd, qui est la source du spleen. Un ciel bas et lourd, c'est un ciel nuageux. Donc, les merveilleux nuages peuvent très bien être d'horribles nuages qui pèsent et qui de tout leur poids sur l'existence. Oui, oui. Et c'est chaque fois deux images, et deux images contradictoires. Je songeais aussi, Luca le suggérait, là, mais j'imagine qu'il va en être question dans la suite de notre colloque, que le mouvement, le processus qui va de l'image au texte, ben, il est, comment dire, immédiat dans un certain nombre de poèmes des Fleurs du Mal, qui sont ce qu'on appelle des ex-phraseis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, vous prenez une gravure et vous avez un texte, vous prenez une sculpture, vous avez un texte. Voilà, c'est pas... Donc l'image et puis l'autre image qui vient des mots. On m'a recommandé de la faire ici. Je me lève, désolé. En effet, je voulais répondre un peu à distance. C'est Goltzius, l'auteur de la gravure, en effet, qu'on a exposé aussi à la Bibliothèque nationale. Et je pensais deux choses. La première, en relisant à nouveau cet extrait, c'est que Baudelaire souligne la glorification du culte de l'image. Il faut toujours se souvenir, je pense, que ce n'est pas simplement la glorification de l'image, mais du culte, c'est-à-dire, comme justement Rémy Brague le rappelle, c'est une glorification, c'est quelque chose d'actif, c'est-à-dire qui concerne l'action même du culte de l'image. Et la deuxième, je pensais justement, comme vous l'avez souligné à propos du reflet, qui est un thème essentiel, je pensais surtout au thème, qui est un thème majeur, du miroir. Parce que même lorsque on reprend le signe, évidemment, on pense immédiatement au Simoïs, non, qui est un pauvre et triste miroir. Et Baudelaire, il me semble presque aller au-delà, c'est-à-dire qu'il devient lui-même le miroir qui reflète. C'est la source de l'image. Je suis le triste miroir où la mégère se reflète. Et ça signifie, et c'est ce que Starobinsky dit, que par cette image passe une sorte de dépossession de soi. C'est-à-dire le sujet qui devient autre, mais qui en même temps essaye de se fixer en image. Et c'est, selon Starobinsky, je me lis aussi à notre exposition, l'immobilité du mélancolique, non, l'image qui devient l'immobilité du mélancolique. Donc voilà le... Oui, mais ce que je n'ai pas de réponse à faire, c'est ce que vous dites était tout à fait juste, oui, bien sûr, oui. Mais je songeais du coup à... C'est troublant, si vous voulez, pour moi, ça reste un peu mystérieux, de diriger le sens du mot « image », plutôt au singulier d'ailleurs, vers l'idée de reflet, de portrait, de soi, etc., et retrouver du narcissisme baudelairien, incidemment institué dans les mots, comme ça, avec l'air de dire autre chose, puisque ce n'est pas non plus l'intention d'un propos déterminé sur ce sujet, et l'image qui est le monde riche, qui est l'univers des images, et qu'on n'a qu'à traverser pour en trouver, et qui n'est pas le reflet intime, n'est-ce pas? Et j'ai du mal, d'ailleurs, si quelqu'un est plus philosophe que moi dans l'assistance, j'ai du mal, moi, à accorder ces deux choses, ces deux directions du sens de l'image. Per osservazione, riflessione. C'è una curiosità. È tutto questo che procurerà un testo molto interessante. Dunque, ciò detto, io direi che non posso che ringraziare di nuovo André Guyot per questa sua bellissima relazione, così ricca di suggestioni, e ringraziarlo sempre di questa sua fedeltà italiana, diciamo così. Voilà. Grazie a tutti. Pour cette communication est riche. Moi aussi,
J'aurais des questions à vous poser, mais je pense qu'il vaut mieux peut-être, étant donné l'heure, il marche maintenant, étant donné l'heure, de passer la parole à Fabio Libachi, et peut-être il vaut mieux ensuite poser des questions à tous les deux. Donc, en ce qui concerne Fabio Libachi, lui aussi, il travaille à l'Université de Modena, Reggio Emilia, et il a publié sur Proust, Corpo in scena, corpo in scena, sadisme et masochisme in Proust. Il a travaillé sur Hervé Guibert, lettore de Michel Foucault. Et ensuite, que sont devenues les fleurs, les filles et fleurs, et le devenir chez Proust. Encore Pasolini selon la France, et avec Badin, Genetti, Rollin, la littérature de Sida, et la traduction de Bubu de Montparnasse. Donc, vous n'êtes pas spécialiste de Baudelaire, mais vous abordez Baudelaire quand même avec votre communication, les reflets de l'éphémère, Baudelaire et l'image photographique. Et je vous donne la parole. Merci bien pour cette présentation. Et je m'excuse déjà pour les choses dites que je répéterai, bien sûr. Avec la presse, l'horrible ville, la photographie. Ah, je dois. Alors, avec la presse et l'horrible ville, la photographie fut la chose moderne qui mobilisa le plus Baudelaire. En effet, sa vie fut contemporaine du développement accéléré de la photographie et de ses avatars. Vidaguerre, à l'origine peintre, avait introduit les dioramas en 1822, puis en 1835, il avait découvert les procédés qui finira par porter son nom. L'une des premières images célèbres issues de l'atelier des Daguerre représente le boulevard du Temple, où les promeneurs se sont évanouis faute d'une exposition suffisante, à l'exception d'un homme resté longtemps immobile. Les portraits suivirent bientôt avec eux les premières inquiétudes. Et je cite, « Baudelaire assista à cette extraordinaire transformation qui fit en 20 ans, nous dit Compagnon, de 1839 à 1859, de la photographie en art populaire. Car si les daguerréotypes et les calotypes étaient d'exécution lente et rare, la photographie proprement dite est à la mesure de tous ou presque. Sa diffusion sociale s'est multipliée de 10 ans en 10 ans jusqu'à l'invention américaine du Kodak en 1889. Les institutions aussi commencent à accueillir la nouveauté. Par exemple, de 1851, dans le Crystal Palace construit à Londres pour abriter la première exposition universelle, la photographie au Collodium humide est l'une des principales attractions. En 1859, à Paris, les salons de peinture, sculpture, gravure et dessin s'augmentent à son tour d'une section dédiée à la photographie. Baudelaire ne fut pas le premier à s'inquiéter face à la prometteuse nouveauté. En 1839, par exemple, le peintre Paul Delaroche, sortant de la fameuse présentation du daguerréotype, s'exclame « À partir d'aujourd'hui, la peinture est morte ». Il avait compris que les images de Daguerre étaient plus naturalistes que ses propres dessins. Et Balzac aussi, et je cite là encore Compagnon, avait d'abord refusé de poser pour un daguerréotype par crainte d'être dépossédé de son image. Chaque prise daguerrienne supprimant une couche du corps humain aurait dépossédé l'homme d'une part de son humanité, de son identité, voire de sa vie. Mais Baudelaire fut sans doute le premier à attaquer l'essence même de la photographie, à savoir, je cite, la tentation qui lui est inhérente de confondre sa pauvre vérité et la vérité propre aux arts, notamment à la peinture. Le chapitre 2 du Salon de 1859, le public moderne à la photographie, comme vous savez mieux que moi, parle justement de cela. Dans mon intervention, donc, je voudrais souligner les multiples enjeux de ces chapitres qui dépassent de loin la simple question de l'image photographique et deuxièmement, je voudrais relire un texte souvent oublié et un poème qui parlerait de la photographie à langage chiffré et qui montrerait assez bien l'inquiétude du poète, inquiétude esthétique et intime à la fois face à la photographie. Henri Seppi montre assez bien que ces salons montrent Baudelaire fidèle à un faisceau d'idées qui s'était ordonné dès 1845, qui progressivement s'est affiné et enrichi, à savoir le refus d'un art inféodé aux injonctions de la nature, la promotion des pouvoirs de l'imagination créatrice,
L'attachement croissant à la gravure et à l'eau-forte, moins comme des moyens de reproduction que comme des liens et des occasions de création. De plus en plus, si d'un côté, donc, ces salons viennent dénoncer encore une fois les aberrations de l'esthétique réaliste, comme on l'a dit déjà, de l'autre, il est le reflet de la prise de conscience aiguë et parfois douloureuse d'une mutation dans l'ordre des valeurs et des pratiques artistiques. Baudelaire consigne à la page de les premières phrases l'impitoyable verdict. Et je cite, « Nulle explosion, pas de génie inconnu, les pensées suggérées par l'aspect de ces salons sont d'un ordre si simple, si ancien, si classique, que peu de pages me suffiront sans doute pour les développer. » De plus en plus, sans appel, il affirme, on dirait que la petitesse, la puralité, l'incuriosité, les calmes plats de la fatuité ont succédé à l'ardeur, à la noblesse et à la turbulente ambition, aussi bien dans les beaux-arts que dans la littérature. Les causes sont même trop connues, discrédit de l'imagination, mépris du grand, pratique exclusive du métier, telles sont, je crois, quant à l'artiste, la raison principale de son abaissement. Dans ces paysages mornes où l'habileté règne et l'imagination est chassée, la photographie ne serait qu'un signe de plus de cette décadence. Baudelaire accompagne son lecteur vers la découverte de la chambre noire, il trace les diagnostics de l'art et définit l'esprit français. Et je cite, « Chercher étonné par des moyens d'étonnement étrangers à l'art en question. » Ce qui serait la ressource des gens qui ne sont pas naturellement peintres. Puis, il attaque le public. Et j'hésite encore, si l'artiste abédit les publics, celui-ci les lui rend bien, ils sont deux termes corrélatifs qui agissent l'un sur l'autre avec une égale puissance. Baudelaire s'efforce donc de rétablir le rapport entre les vrais et les beaux. Où il faudrait ne voir que les beaux, remarque-t-il, notre public ne cherche que les vrais. L'étonnement et les beaux, parce que le beau est toujours étonnant, il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Enfin, les publics et les artistes. Ils veulent les frapper, les surprendre, les stupéfier par des stratagèmes indignes parce qu'ils sont incapables de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. La parole du poète prophète, écrivant pour établir la loi, est immédiatement contredite, sinon pulvérisée, par une invention capable de confirmer les diagnostics initiales et de ruiner ce qui pouvait rester des divans dans l'esprit français. Et ce n'est pas par hasard que Baudelaire nomme les divins, car ne voyant dans la photographie que la concurrence à Dieu dans la production des images, il ne pouvait s'empêcher de penser la nouvelle technique que dans des termes et dans une perspective métaphysique, voire théologique. Baudelaire dénonce donc cette nouvelle idolâtrie, et je cite, « Cette foule idolâtre qui postule un idéal digne d'elle approprié à sa nature, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, et qui serait celui-ci, je crois à la nature, je ne crois qu'à la nature, je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Une secte timide et dissidente veut que les objets des natures répugnantes soient écartés, ainsi un pot de chambre ou une squelette. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature, c'est l'art, serait l'art absolu. Un dieu vengeur, nous dit encore le poète, a exaucé le vœu de cette multitude, daguerre fut son messie. Les conséquences de ces credos sont faciles à deviner. Et je cite encore, « Puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables de l'exactitude, il croit cela, les insensés, l'art, c'est la photographie. » Que l'on note comme ces chapitres du salon devient à la star de ce poème le théâtre d'une parole, un jeu de voix, comme l'écrit John Jackson, une mise en scène, un tableau, car en multipliant les locuteurs, en diversifiant les marques d'une annonciation manifeste, le poète installe son lecteur dans son univers, de part en part traversé par des passions humaines. Le prophète chassé, donc, au regard de la société immonde, folle et fanatique, contemplait sa triviale image sur le métal et raconte que, je cite encore, d'étranges abominations se produisirent en association, excusez-moi, et en groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans les carnavals. On se flatta de rendre les scènes tragiques ou gracieuses de l'histoire ancienne. Cette première partie du chapitre s'achève sur des conséquences majeures de ce nouveau credo. L'insulte à la divine peinture et l'art sublime du comédien et l'amour de l'obscénité, car des milliers d'yeux avides se penchaient sur des trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini. On ne peut que souligner encore une fois le lexique religieux qui accompagne et rythme cette partie.
idolâtres, credo, croire, secte, dissidence, dieu, messie, multitude, abomination, sacrilège donnent à ces chapitres les traits d'une bulle d'excommunication. Certes, Gautier aussi donnait à la photographie une dimension héroïque, même divine, puisque c'est l'astre lui-même qui exerce comme lithographe et graveur qui s'exprime et s'imprime sur la plaque, sur le papier. Mais Baudelaire, comme on l'a vu, le fait dans un autre sens. En s'appuyant lui aussi sur les métaphores bibliques, Compagnon parle justement de la photographie comme d'un veau d'or, soulignant la sortie du monothéisme au profit d'un néopaganisme, un paganisme renaissant, résurgent. L'âge de la photographie est celui de la mort de Dieu, car elle initia une religion de substitution avec une foi, un credo et un messie. La triviale image donc remplace la divine peinture, un dieu populaire vient de chasser les dieux aristocratiques de la peinture, le choc de Baudelaire vient de cette constatation. Thélo a sans doute raison lorsqu'il affirme que Baudelaire est chrétien d'un christianisme improbable, car en tant que poète, c'est-à-dire l'être humain le plus proche de la divinité, le seul capable de s'opposer aux illusoires transcendances collectives, ils se sont menacés, comme si la mort de l'un entraîne la mort de l'autre. Baudelaire sait bien que les grands arts, comme la grande poésie, est le rempart contre la mort de Dieu. Et pourtant, les succès foudroyants de la photographie les désespèrent, l'essence de cette technique le ronge, car il comprend sa prétention à s'imposer en un rival majeur, voire un rival victorieux à long terme de l'art de peindre. Dans la deuxième partie du chapitre, Baudelaire ne manque pas de définir l'industrie photographique comme le refuge de tous les peintres manqués, trop mal dués ou trop paresseux pour achever leurs études, comme il écrit. Nous comprenons ainsi pourquoi Baudelaire, pour parler de la photographie, il a fait un détour par la peinture. La lutte, je dis religieuse, théologique, assume ici le caractère d'un coup d'État ou une minorité conspiratrice, et je cite, dans laquelle on trouve, comme dans tous les autres, les méchants et les dupes, a pris le pouvoir. Baudelaire est convaincu que ce régime durera peut-être moins du deuxième empire. Qu'une si stupide conspiration, il écrit encore, puisse réussir d'une manière absolue, je ne le crois pas, et du moins, je ne vais pas le croire. Certes, il ne peut pas non plus en être sûr. Au fond, il sait bien que derrière la lutte métaphysique et politique, il y a l'industrie, la plus mortelle ennemie de l'art, le corps à corps. Et je cite, « La poésie et les progrès sont des ambitieux qui se haïssent d'une haine instinctive et quand ils se rencontrent dans le même chemin, il faut que l'un de deux serve l'autre. S'il est permis à la photographie de suppléer l'art dans quelques-unes de ses fonctions, elle aura bientôt supplanté ou corrompu tout à fait grâce à l'alliance naturelle qu'elle trouvera de la sottise de la multitude. » Baudelaire met en garde la poésie et lui suggère de combattre et de résister art et industrie, vie ou mort. Le conflit entre la poésie et la photographie n'est que le centre névralgique d'une concurrence où ce n'était rien moins que l'organisation des mentalités collectives qui se jouait, rien moins que la domination des esprits par des systèmes symboliques en effet différents et qui se jugeaient incompatibles. Devant cette lutte, la condamnation générale du progrès n'est peut-être sans réserve ni appel. Flaubert aussi, quelques années plus tôt, avait écrit l'indignation face à cette rivalité. Et je cite, admirable époque que celle où l'on décore le photographe et où l'on exile le poète, quelle immense ironie que tout cela, et comme les honneurs façonnent quand l'honneur manque. Si l'amertume de Flaubert se dirige à la fois contre Duchamp et contre son temps, contre les régimes qui récompensaient un photographe et chassaient Hugo, mais sans trouver nulle solution, Baudelaire, quant à lui, propose presque une trêve et une concession. Et je cite, « Il faut donc qu'elle rentre dans son véritable devoir, qui est d'être la servante des sciences et des arts, mais la très humble servante sur un chertil comme l'imprimerie à la scénographie, qui n'ont ni créé ni suppléé la littérature. Certes, l'imprimerie à la scénographie n'ont ni créé ni suppléé la littérature, mais qui pourrait douter de leur rôle ? Dans une optique à la fois prépositive et normative, Baudelaire propose les possibles usages de la photographie. Qu'elle enrichisse rapidement l'album du voyageur, qu'elle orne la bibliothèque du naturaliste, qu'elle soit enfin le secrétaire et garde-notes de quiconque a besoin dans sa profession d'une absolue exactitude matérielle, et qu'elle sauve de l'oubli les ruines pendantes, les livres, les estampes, les manuscrits que le temps dévore. Si elle ne fait que cela, si elle ne sera ça, elle sera remerciée et applaudie. Mais s'il lui est permis d'empiéter sur le domaine de l'impalpable, de l'imaginaire, sur tout ce qui vaut parce que l'homme y ajoute de son âme, alors malheur à nous.
Baudelaire trouve à la fin de cette deuxième partie l'exique religieux le temps d'une malédiction. Il ne faut pas confondre le vrai croyant avec l'empire, les trous du stéréoscope avec l'infini, changer les progrès chimiques contre la régression de l'humanité. Une régression à l'image magique, à l'idole, au fétiche, artefact qui se donne pour le double réel de ce qu'il représente. Ces progrès dans l'ordre technique compromet et menace de ruine à notre progrès de l'humanité dans l'ordre de l'esprit, son accès à la réflexivité symbolique et aux arts capables de forger des fictions se donnant pour telles, comme l'écrit Fumaroli. Au dernier paragraphe, Baudelaire interpelle encore son lecteur à qui il fait dire « Mais quelle amateur véritable a jamais confondu l'art avec l'industrie ?» À cette question, ses lecteurs y répondent en utilisant la théologie, les contagions du bien et du mal et la connaissance du champ artistique. Et je cite, que l'artiste agisse sur le public, que le public réagisse sur l'artiste, c'est une loi incontestable et irrésistible. Un bon observateur, il tire sa conclusion. De jour en jour, l'art diminue le respect de lui-même, se prosterne devant la réalité extérieure, et les peintres deviennent de plus en plus enclins à peindre, non pas ce qu'ils rêvent, mais ce qu'ils voient. Cependant, c'est un bonheur de rêver. En italique. La photographie empêche donc de rêver. À ces propos, il suffit de lire comme en 1845-46 le terme de panorama de daguerréotype servait encore à Baudelaire pour discréditer un tableau, tandis qu'en 1959, face au succès incontestable de la photographie, il regrette le ton des panoramas et des dioramas, parce qu'il faisait tout de même rêver. Ses regrets, selon Compagnon, introduit le paradoxe qui suit. Parce que c'est plus vrai, c'est plus faux, la photographie et les paysagistes de 1959, tandis qu'inversement, parce que c'est plus faux, parce que c'est faux, c'est plus vrai, les dioramas et les paysages romantiques qui font rêver. À l'observateur de bonne foi affirmant que l'invasion de la photographie étrangère a ses résultats, il rétorque. Est-il permis de supposer qu'un peuple dont l'aisé s'accoutume à considérer les résultats d'une science matérielle comme les produits du beau n'a pas singulièrement, au bout d'un certain temps, diminué la faculté de juger et de sentir ce qu'il y a de plus éthéré et de plus matériel. Dans ces pages de connues, il ne manque que deux choses, les photographes et les photographies. Baudelaire, comme l'on sait, ne cite aucune œuvre ni aucun photographe. Pourtant, il avait pour ami Gaspard Félix Tournachon, dit Nadar. On a beaucoup écrit sur cette amitié paradoxale qui incarne la concurrence de la poésie et de la photographie, des ambitieux qui s'y haïssent d'une haine instinctive. Dans une lettre, Baudelaire a écrit un éloge équivoque de l'ami concurrent « J'étais jaloux de lui aller voir si bien réussir dans tout ce que n'est pas l'abstrait ». Nadar, quant à lui, qui n'a pas oublié son passé de dessinateur, exécute en 1858 une caricature représentant un père atterré de trouver un exemplaire de Fleur du Mal entre les mains de sa petite fille. Au début de cette année, il a aussi dessiné Baudelaire devant une charogne, référence directe au poème homonyme du recueil. De son côté, Baudelaire lui écrit toujours cette même année de ne pas écrire de farces sur l'enveloppe de ses lettres, lorsqu'il se trouve en fleur, chez sa mère, puis pour lui demander un mandat poste avant de lui avouer qu'il prépare un article pour les salons de 1859 sans l'avoir vu. Il précise d'avoir un livret, et je cite, « C'est une excellente méthode que je te recommande. On craint d'être trop lué et d'être trop blâmé, on arrive ainsi à l'impartialité. » La lettre au photographe montre que même s'il est des amis, se voient moins qu'à l'époque de leur jeunesse, leur relation reste complice, affectueuse même. En dépit de cette amitié, Baudelaire omet de lui parler du deuxième chapitre du Salon, chapitre qui semble répondre mot à mot à un article de Nadar de 1856 dans lequel on peut lire. La photographie aujourd'hui, plus qu'une science, s'est élevée à la hauteur de l'art. Il est certain que la photographie aujourd'hui n'est pas seulement le rendez-vous de tous les fruits secs des autres carrières. Et chaque photographe met si évidemment son caractère individuel dans ses œuvres qu'un œil habitué reconnaît au premier coup leur auteur sans recourir à la signature comme tel expert reconnaît ses maîtres, sans rechercher les noms au bas du tableau. Quant au portrait, n'est-il pas en peut-on d'en finir avec ce reproche que le photographe ne peut donner comme les peintres les sentiments intimes et artistiques de son modèle? Il me semble que Baudelaire a voulu répondre à Nadar en affirmant toutes les prétendues qualités de l'image photographique des photographes. On peut encore dater de 1859 un texte peu connu, Clergent aux Enfers,
extrait d'une lettre à Nadar, et que celui-ci a publié et présenté en 1911 dans son livre « Charles Baudelaire intime », à la fois un hommage et une vengeance, un témoignage de fidélité et de perfidie. Il s'agit d'un cadeau privé, un rêve. Clergeant à l'enfer, déshonore Proserpine, il se jette sur elle et lui plante sa pine dans l'œil. Un test obscène, qu'il doit le faire rire à peu de frais, un test tout de même ambivalent qui se termine par un aveu complexe. Tu vois qu'après 15 ans, l'aspiration vit encore. Précédé par « Pont-toi, brave Nadar, nous avons vaincu sans toi ». Tello avance l'hypothèse que ce texte est une réponse poétique à un pari, le pendant du salon. Si le récit est surprenant parce que beau, alors oui, les grands arts existent. Mais si le récit, au contraire, obtient la surprise par des techniques hétérogènes à la beauté, et néanmoins paraît beau parce qu'il est surprenant, alors la photographie a raison. Il a gagné la partie, la distinction est impossible entre Nadar et Delacroix. L'œil de Proserpine, l'œil de Nadar, qui est celui de l'objectif du réalisme et du progrès technique, doit être vaincu, les poètes aux enfers doivent enfin vivre, et Nadar doit être aveuglé. Et terminant ce récit, Baudelaire a le sentiment que l'art, tel qu'il le veut, est possible, que la différence entre l'étonnement par les progrès qu'exploite l'homme Nadar, l'étonnement par l'inspiration, où la poésie se risque réelle, au moins un droit. Les grands arts existent donc, le poète amoureux de la peinture est trompé par les succès de la photographie se réjouit. Et Tellon a raison encore quand il écrit que « écrire est cet acte ambigu, restauration de l'amour guerre au par jour, unification de la personne, rupture avec ceux qui l'ont faite de fait. » À y voir de près, en 1859, la réflexion sur la poésie et les progrès trouve encore une manière de s'exprimer. Les rapports entre la vie et la mort, encore une fois, est pensé. Encore un texte donc, un poème cette fois, qui parlerait de la photographie, encore un défi lancé à Nadar, dans lequel d'autres allégories sont offertes au lecteur. Le rêve d'un courrier, paru d'abord dans la Revue contemporaine du 15 mai 1860, puis inclus dans la section La mort de l'édition 60 ans de Fleurs du Mal, est dédié à FN, c'est-à-dire Félie Nadar. Le fait doit être noté, puisqu'il est unique dans les Fleurs du Mal, où tous ceux d'entre les dédicataires qui appartiennent au monde des arts et des lettres voient leur nom imprimé entièrement. Dans une lettre à Pulé Malassis, de 13 mai 1860, Baudelaire écrit « J'ai donné hier soir ses sonnets à Nadar, il m'a dit qu'il n'y comprenait rien du tout. Et en effet, par une singulière perversion, il lui offrit l'un de ses poèmes les plus abstraits, les plus métaphysiques sur la curiosité de la mort. » Jusqu'en 1985, on acceptait aisément cette interprétation. À cette date, l'historien de l'art Éric d'Aragon en a proposé une autre, plus ingénieuse sans doute. Les poèmes relateraient une séance de pose chez les photographes, ce qui justifierait la dédicace à Nadar, et il comparerait cette expérience à l'attente de ses ventes de la mort. Comme on l'a vu plus haut, le lien de la photographie et de la mort fut précocement éprouvé. Tant de gens redoutaient que la prise de vue de leur vola leur image. La chambre obscure ou la chambre noire pouvait être assimilée à la chambre mortuaire, l'attente chez le photographe à l'attente de la mort, le voile noir au voile du deuil, la mortalité, l'immobilité requise par la pose à la rigidité de la mort, les portraits photographiques à une image mortuaire. Ce n'est pas sans ironie que l'on note aussi que Nadar avait son studio rue Saint-Lazare, mort célèbre et ressuscité, comme l'on sait. Selon Fumaroli encore, le verbe anglais « to shoot », commun aux photographes et aux caméramans de cinéma, généralise cette visée meurtrière que le français tiré n'est traduit que faiblement. Portel, Tello et Fumaroli ont repris et systématisé cette hypothèse fascinante. Si Fumaroli accepte que Baudelaire décrit, à langage chiffré, une séance de pose qu'il compare à une agonie légèrement anxieuse, ne laissant de l'homme singulier, une fois sa photo prise et sa mort par avance consommée qu'une vérité froide, Tello revient plus longuement sur ses poèmes à déchiffrer, où j'allais mourir, serais-je allé chez les photographes, à développer comme on doit développer le nom Félie Nadar à partir des initiales. Et sur ce qui empêchait cette lecture, le salon de 1859 y est pour quelque chose. Cette sorte d'anathème ne pouvait que détourner de l'idée qu'on dédicace un photographe dans les Fleurs du Mal chiffrer les récits d'une prise de vue.
Le rêve d'un courrier est encore une lance dans le combat baudelairien pour l'art, la victoire encore une fois du rêve contre la réalité des spontes. Et quoi ? N'est-ce donc que cela ? Le poème ajoute, compagnon dit la nuit métaphysique du sujet moderne, qu'en post-mortem, l'autre vie répète la vie. Après la mort de Dieu, détournée par la photographie au profit du soleil, rien de nouveau donc ne se profile à l'horizon. Pourtant, la photographie fait partie de ces choses modernes que Baudelaire déteste, mais dont il ne saurait se passer. Lorsque sa mère les rejoignit à Bruxelles en avril 1966, après qu'il eut perdu l'usage de la parole, comme l'on sait, elle trouva dans les poches de son matelot beaucoup de petites photographies de Louis par Nadar. Baudelaire a parfaitement posé, par ailleurs, pour Nadar, pour Courjat, pour Ney, à Bruxelles. Elle a fait si bien que nous possédons une quinzaine des meilleures photographies d'écrivains que nous connaissons. Malgré sa détestation affichée de la photographie, Baudelaire nous est familier grâce à quelques superbes portraits photographiques de poètes, si bien que Proust pouvait voir dans l'une de ses photographies par Nadar l'image du poète éternel, les poètes dont tous les autres seraient des avatars. De plus, il demande à sa mère, dans une lettre très connue du 23 décembre 1865, un portrait photographique. C'est une idée qui s'est emparée de moi. Il y a un excellent photographe au Havre, mais je crains bien que cela ne soit pas possible maintenant. Il faudrait que je fusse présent. Tu ne t'y connais pas. Et tous les photographes, même excellents de manière ridicule, ils prennent pour bonne image, une image, toutes les verrues, toutes les rides, tous les défauts, toutes les trivialités du visage sont rendues très visibles, très exagérées. Plus l'image est dure, plus ils sont contents. De plus, je voudrais que le visage ait au moins la dimension d'un ou deux pouces. Il n'y a guère qu'à Paris qu'on sache faire ce que je désire, c'est-à-dire un portrait exact, mais ayant les flux d'un dessin. La photographie réussie est celle qui retrouve les flux d'un dessin qui s'éloigne du réalisme brut de la copie sculptée. La reproduction rêvée de l'image de la mer serait le compromis avec la nouvelle technique, elle serait picturale autant que photographique, elle permettrait de contrôler enfin ses corps maternels, de les rendre vivants, de chasser l'autre derrière les voiles noires, de chasser peut-être la mélancolie, d'occulter la mort. Si cette image n'existe pas, le flux dont il est question est celui qu'on peut reconnaître peut-être dans une photographie de Baudelaire par Nadar d'avant septembre 1854 et conservée au musée d'Orsay. Ces portraits que Nadar rata, Baudelaire l'aura jugé parfaitement réussi. Il chiffre la résistance de la poésie devant la photographie, la victoire de la vie mouvante contre l'image figée. Sans ce flou, la photographie ne serait que le reflet de l'éphémère. Paradoxe qu'aurait sans doute aimé Baudelaire. Baudelaire aime tout ce qui bouge, le mouvement, celui des dessins d'aiguilles ou celui venant de la lanterne magique, du panorama ou des dioramas. Il aime l'artifice et la pose, tout ce qui trompe la fixité de la mort et la vérité froide. Il haït l'objectivité partielle, abstraite, instantanée, hors contexte, hors durée du cliché photographique. L'instantanéité de sa genèse comme le résultat, ses reflets passifs de l'éphémère, ses réels, son sensation et son douceur. Il aurait aimé les numériques. Merci. Allora, grazie a Fabio Libasci per questa comunicazione. Nous allons reprendre nos travaux et c'est un vrai bonheur pour moi d'être ici cet après-midi. Et c'est un plaisir de donner la bienvenue à Henri Seppi, qui est professeur de littérature française à la Sorbonne Nouvelle. C'est un spécialiste du 19e siècle. Il a publié plusieurs essais sur La Forgue, Mallarmé, Nerval, L'autre amant, Rimbaud, Verlaine. Il est notamment l'auteur de Poétique de Jules Laforgue en 2000. Poésie vacante, Nerval, Mallarmé, La Forgue 2008, et Théorie et poétique de la prose 2012. En 2017, il a coédité les œuvres croisées de Rimbaud et Verlaine sous le titre Un concert d'enfer, vie et poésie pour Gallimard. Récemment, il a fait paraître un très beau livre. Et Charles Baudelaire, La passion des images, 2021,
Et notre essai intitulé Baudelaire et le nuage paraîtra en 2022. Mais il a également consacré de nombreuses études et des éditions critiques aux romanciers du 19e siècle, Flaubert, Zola, Verne. En 2018, il a publié une nouvelle édition des Misérables dans la bibliothèque de la Pléiade. Il s'est également intéressé aux écrivains et poètes du XXe siècle. Il a dirigé les volumes Francis Ponge, Matériaux, Matière, Matérialisme, et publié, il y a quelques problèmes, et publié plusieurs études sur Apollinaire, Éluard, Césaire, Bievic, Bonnefoy, et bien d'autres encore, pour citer Baudelaire. Le titre de sa communication, Baudelaire, et les promesses de l'image. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je voudrais, à mon tour, remercier chaleureusement les organisateurs de ce colloque et pour l'accueil qu'ils nous réservent et pour l'invitation qu'ils m'ont proposée. Dans le chapitre 18 du Salon de 46, Baudelaire s'interroge sur la possibilité d'une beauté au présent apte à révéler et à exalter le côté épique de la vie moderne. S'il admet, par conviction autant que par exigence logique, que la vie contemporaine comporte sa beauté particulière, inhérente à des passions nouvelles, il reconnaît dans le même temps que la vie ancienne, vie robuste et guerrière, dit-il, représentait beaucoup. Faite surtout pour le plaisir des yeux, celle-ci extériorisait de manière presque théâtrale tout un univers visuel riche et foisonnant, réglé par des lois solennelles dont on a pu penser qu'elles pouvaient être éternelles. Marquant une nette césure entre deux époques de l'art, deux âges de la représentation, si vous voulez, Baudelaire constate qu'une grande tradition, celle qui s'est précisément attachée à illustrer la vie ancienne, s'est définitivement perdue et que tarde encore à se manifester, à s'objectiver, l'essor d'une peinture au présent, habile à promouvoir, selon des voies et des moyens appropriés, la beauté moderne. C'est précisément ce moment d'attente et d'espérance qui, selon Baudelaire, se voit traduit par l'expression « la pelure du héros moderne », cet habit noir qui signale le deuil de quelque idéal, la défaite d'un empire des goûts et des valeurs, beauté poétique du contemporain, écrit Baudelaire, sans doute, qui est l'expression également de l'âme publique. Et vous connaissez tous cette formule, nous célébrons tous quelque enterrement. Mais de quelle funéraille s'agit-il? Le siècle est revêtu de noir. C'est là le témoin de l'égalité, le signe distinctif d'une civilisation du nombre qui a renoncé à la culture des images, à sa grandeur, à sa noblesse, à sa passion exclusive. Baudelaire s'avise, à ce moment, qui est, vous le savez, avant 1848, l'heure des grandes désillusions, d'un tournant dans l'ordre de l'esthétique et de la tradition du beau. Il sait que désormais, et tout sera encore plus clair et plus clairement consommé avec l'essor du Second Empire, la conscience artistique doit faire son deuil des prestiges et des fastes de l'image, autant que du royaume d'idéal dont elle est la préfiguration. Il tire de cet état de désolation une sorte d'ironie que le contrepoint insistant sur les vertus de la couleur, célébrées dans le même salon de 46, permet de faire entendre, je crois. Baudelaire écrit que le peuple des coloristes ne se révolte pas trop, car pour être plus difficile, la tâche n'en est que plus glorieuse. Les grands coloristes savent faire de la couleur avec un habit noir
une cravate blanche et un fond gris. S'il déplore donc une situation d'effondrement de la gloire des images, il reste toutefois attaché à l'idée que le culte des images doit être rénové, honoré, perpétué. Contre la tendance de l'époque, contre le courant de l'histoire, toujours prompt, on le sait, à étouffer les derniers feux d'une foi artistique exigeante, égarée dans le chaos d'une liberté épuisante et stérile. D'où, bien sûr, cet énoncé, comme l'a rappelé André Guyot tout à l'heure, devenu quasi proverbial s'agissant de cet appétit régénéré des images, glorifié, le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Formule qui peut s'entendre à distance par opposition symétrique au diagnostic formulé dans le salon de 46, les singes sont les républicains de l'art et l'état actuel de la peinture est le résultat d'une liberté anarchique qui glorifie l'individu, quelque faible qu'il soit. Je tâcherai de montrer que les promesses de l'image pour Baudelaire tiennent pour l'essentiel à la capacité qu'il y voit à délivrer des pesanteurs de l'académisme et du réalisme pour favoriser l'éclosion en elle d'une atmosphère surnaturaliste, véritable tremplin aux arts de la mémoire. C'est donc sur le fond, sur un fond de déliaison et bientôt de décrépitude accomplie, pour reprendre le mot de la célèbre lettre à Manet du 11 mai 1865, qu'il convient de replacer la promotion enthousiaste de l'imagination et la récusation corrélative du réalisme et de son expansion photographique. Ce qui, à l'évidence, retient l'attention de Baudelaire, penseur des images, c'est d'abord le reflux de l'imagination dans les arts de la représentation, en particulier dans la peinture. Ce constat, il est au fondement d'une conception de l'image, qui est en quelque sorte la première de ses promesses natives, puisqu'aussi bien par là, elle se voit restituée à sa grandeur. Promesse selon laquelle l'image ne doit s'adresser qu'à l'imagination et solliciter les facultés qui concourent à son essor libre et exclusif. L'attention qu'il accorde aux œuvres de Delacroix est toujours soutenue par la conviction, bien intempestive d'ailleurs dans les années 40, que la peinture en tant que fabrication d'images forme d'abord un univers fidèle aux lois de l'engendrement imaginatif, obéissant à des principes intérieurs intimement maîtrisés et redéployés, et non à des exigences ou contraintes normatives venues du métier, de la reproduction des gestes, encore moins, bien sûr, aux strictes injonctions du réel. Une image est donc de l'imagination qui se ressaisit, se concentre et se réagence. Et ce mouvement est précisément, pour Baudelaire, le langage de la peinture. L'étoile de Delacroix, notre Baudelaire, ouvre, dit-il, de profondes avenues à l'imagination la plus voyageuse. Nous verrons tout à l'heure quelle modalité poétique propre requiert de telles ouvertures. Retenons pour le moment que, par cette première forme de réquisite, Baudelaire restaure la condition de possibilité de la grande peinture d'imagination, en la délivrant toutefois de ce qui, dans les suites du classicisme et les développements de l'académisme, a pu dévoyer ce principe ordonnateur de la figuration picturale pour le réduire à de purs mécanismes de reproduction assujettis aux seules prescriptions du métier. Comme l'atteste en mains endroits des salons de 45, 46, 55 ou 59, bien des formules qui ont pour ainsi dire une fonction d'avertissement et qui pointent la préoccupation excessive du métier, comme le dit Baudelaire en 45, qui frappe pour les anéantir sculpteurs et peintres. Mais il faut aussi, et sans tarder davantage, rappeler que l'autre versant de cet impératif imaginatif tient à ce que Baudelaire appelle la pensée intime de l'artiste et qu'il importe de ne pas trop hâtivement assimiler à ce que nous pourrions appeler aujourd'hui la subjectivité. Au moins,
à ce qui peut toujours renvoyer dans une espèce de confusion de type romantique à quelques idées vagues, écrit Baudelaire, de fougues mal digérées, de turbulences, d'inspirations aventurières, de désordre même. La pensée intime n'est pas le chaos intérieur, le tourbillon irrépressible des émotions, des pulsions. Elle obéit bien plus à ce gouvernement de l'imagination qui veut qu'une image soit une création docile, comme l'écrit Baudelaire, aux ordres divins du cerveau. Tout concourt, on le sait, à arracher le geste du peintre aux dictées aveugles du sentiment, aux caprices de l'humeur, pour le reverser tout entier au crédit d'une démarche créatrice affiliée aux rigueurs de la volonté, au plan médité d'une composition. Nul doute, par conséquent, que Baudelaire nous rejoigne par là, par cette conception en somme exclusive, exigeante de l'image, les lignes de force d'une grande tradition de la peinture qui s'est employée, comme le souligne Étienne-Jean Delescluze dans son livre sur David, son école et son temps, qui paraît en 1855, à rechercher, je cite Delescluze, la poésie de la forme à travers laquelle s'échappe la vie et la pensée. C'est assurément ce même goût pour la composition dramatique, intensément élaborée et exécutée, par quoi Delacroix encore parvient à peindre, je cite Baudelaire, des tableaux de religion qui ne soient ni vides et froids comme des œuvres de concours, ni pédants, mystiques ou néo-chrétiens. C'est donc ce même goût pour l'intimité du sujet qui conduit Baudelaire à juger le marat assassiné de David comme un poème inaccoutumé. Et il précise « Ceci est le pain des forts et le triomphe du spiritualisme. Cruel comme la nature, ce tableau a tout le parfum de l'idéal. » Car ce qu'une image possède en propre ressortit moins à ce qui se manifeste dans l'exposition du sujet que ce qui s'indique, parfois de manière insaisissable, comme atmosphère ou air. En d'autres termes, lignes, couleurs, ombres et lumières, tout concourt à engendrer ce mouvement, ce cinétisme atmosphérique qui résulte, comme dans l'arc-en-ciel, note Baudelaire, de la fusion intime de deux couleurs. Nous accédons par là sans doute au troisième critère de distinction de l'image, conçu comme opération imaginative ou activité imaginante, faire advenir la lutte harmonieuse des masses colorées, non selon une pure logique de la tension visuelle, mais bien comme un changement d'air ou un chargement d'air, qui est la signature des grands coloristes comparés par Baudelaire à des poètes épiques. Mais en rétablissant ainsi, à la lumière de Delacroix bien sûr, les prestiges de la peinture d'histoire, épique et imaginative, Baudelaire se désolidarise toutefois d'une doctrine qui, depuis au moins la Renaissance, est plus proche de lui, depuis le traité de Roger de Pile, a voulu que l'art de peindre et les images qui en résultent soient comptables d'une esthétique illusionniste, donnant donc l'illusion ou l'impression de saisir dans une espèce de continuité physico-optique, quasi miraculeuse d'ailleurs, les objets représentés comme des objets offerts à la prise directe, à la perception directe. C'est pourquoi l'amour de l'air, c'est l'expression de Baudelaire à propos de Delacroix, l'amour de l'air chez Delacroix ne répond pas aux exigences formulées par Fraenhofer dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, pour qui la représentation des corps doit se plier à un travail de l'espace tout en tour, détour et contour, tant il est vrai que d'un corps peint, on doit pouvoir faire le tour. C'est là, comme le souligne Georges Didier Huberman dans son essai « La peinture incarnée », la vertu assignable, dit-il, à la double exigence de l'air et du sang, un corps peint doit faire rupture avec tout l'espace atmosphérique du représenté. Or, Baudelaire choisit de porter l'accent d'intensité sur cet espace atmosphérique précisément, faisant ainsi glisser l'attention des corps individués, des individus, vers le tableau comme lieu, l'image comme espace une et unique. C'est dire assez que la première des promesses de l'image pour Baudelaire est de susciter cet effet
qui est moins l'illusion de prise du regard sur le sujet du tableau qu'un pouvoir exercé par le tableau sur le sujet qui regarde. Cette magie de l'image, dont quelques lignes du Salon de 55 soulignent le caractère despotique, cela a été cité ce matin, ne peut s'expliquer cependant que par une mise en œuvre des formes et des moyens de la peinture, toutes et tous conspirant à une seule fin, créer le beau et employer dans cet unique dessin le langage du poème, non pas selon l'ancien protocole de l'ut pictura poesis, mais en accord total avec une poétique du visuel, dépositaire des principes créateurs et de l'esthétique visionnaire de la poésie. Baudelaire ne manque pas de mettre en lumière, en effet, la dynamique d'échange qui opère aux lisières conjonctives du tableau et du poème. Comparant dans le Salon de 46 les mérites respectifs de Victor Hugo et de Delacroix, il affirme, à l'avantage de ce dernier, que les qualités du peintre, d'invention ou d'imagination, l'emportent sur les vertus du poète, encore et toujours dépendantes des procédés qu'une rhétorique schématique des contrastes pourrait aisément expliquer. C'est pourquoi les œuvres de Delacroix, plus que les tableaux lyriques et dramatiques de Victor Hugo, sont des poèmes. Et Baudelaire ajoute, et de grands poèmes naïvement conçus, exécutés avec l'insolence accoutumée du génie. Une telle permutation doit se comprendre à partir d'une grille d'évaluation qui, dans l'optique baudelairienne, réassigne à chaque artiste des valeurs elles-mêmes refaçonnées. À Victor Hugo, donc, le sens du pittoresque, qui voue l'image à une fonction ancillaire, décorative, essentiellement fondée sur la culture du détail, sur les aspects extérieurs de la nature, trop matériel, trop attentif aux superficies de la nature, M. Victor Hugo est devenu un peintre en poésie, écrit Baudelaire. Bon. On mesure par là toute la charge de péjoration que comporte cette expression de peintre en poésie, quand il s'agit tout simplement d'être poète, ni plus ni moins. Inversement, Delacroix, toujours respectueux de son idéal, écrit Baudelaire, et souvent à son insu, naïvement, à son insu, un poète en peinture. Tout indique que le propos vise moins à favoriser donc l'équivalence des arts qu'à réaffirmer la prééminence, les prérogatives principielles et inaliénables de la poésie. Comment caractériser ce langage de la poésie, qui est la seconde grande promesse de l'image pour Baudelaire ? Sans doute d'abord comme une pure visualité, un tout qui s'offre à une saisie synthétique et qui répugne à être décomposé, analysé. Le tableau comme le poème impose d'être approché comme un langage allant du dictionnaire de la nature à la composition qui fait qu'un tableau fidèle et égal au rêve qui l'a enfanté doit être produit comme un monde. Totalité, concentration, diffusion, monde, fonde l'image comme langage du poème, avouant par là les affinités que Baudelaire tisse sans doute avec Lessing, qui théorisait dans son Laocoon au milieu du XVIIIe siècle la spécificité du visible comme langage et grammaire de signes, et de reconnaître par là même que la couleur pense par elle-même, dit Baudelaire, en dehors des objets qu'elle habille. Reconnaître cela, c'est admettre ipso facto que la beauté engendrée par l'image est celle qui donne synthétiquement, synthétiquement comme un fait de conscience dans un double mouvement d'assentiment et d'adhésion. Je n'insisterai pas davantage sur cette essence poétique de l'image dont on trouvera ici et là chez Baudelaire l'énoncé développé. Je me propose d'articuler à cette donnée une autre vertu qui consiste à se libérer par là du contour, ou pour être plus exact, à utiliser les ressources de la ligne et du dessin pour s'évader, multiplier les échappées et donner ainsi accès à l'infini. À propos de Corot, par exemple, dont Baudelaire rapporte cela, tous les demi-savants décrètent que cela pêche par l'exécution, on peut lire dans le Salon de 45, il y a une grande différence entre un morceau fait et un morceau fini. En général, ce qui est fait n'est pas fini. Et une chose très finie peut n'être pas faite du tout.
cette tension, cette opposition, si vous voulez, entre le fini et le non finito, si elle ressortit à un débat esthétique, notamment référable, comme vous le savez, à la théorie de la manière, rappelle ici le conflit de la ligne et de la couleur. Et au-delà de cette éternelle querelle, dont Baudelaire tente d'opérer le dépassement à propos d'Ingres de Delacroix, ouvre les voies possibles d'un dégagement par lesquelles l'image est précisément ce mouvement de décentrement favorable à une dynamique d'ouverture centrifuge. Elle œuvre dans le sens de l'infini. C'est un fait que Baudelaire a lui-même cherché à transposer dans le quatrain des phares consacré à Delacroix, par exemple, strophe qu'il glose dans le salon de 55, avec le souci, vous le savez, d'y relever par la gamme des mots, des tons, des correspondances, ces admirables accords de sa couleur qui font souvent rêver d'harmonie et de mélodie, et l'impression qu'on emporte de ces tableaux est souvent quasi musicale. Or, on sait que pour Baudelaire, l'impression musicale est précisément la traduction sensible, non sémiotique, de l'infini, de l'expansion vers l'infini, tel que cela, naturellement, est exposé dans l'essai sur Wagner. Telle est bien assurément la promesse générale de l'image, susciter cette ouverture propice à l'éclosion du rêve et permettre ainsi que la conscience du regardeur pénètre pour s'y joindre l'âme du peintre. On rappellera à ce propos la définition de la conception moderne de l'art pur donnée par Baudelaire, créer une magie suggestive contenant à la fois l'objet et le sujet, le monde extérieur à l'artiste et l'artiste lui-même. Nul doute que cette magie particulière ne témoigne le poème Les Fenêtres du Spleen de Paris, texte apparenté à un tableau, comme l'a très bien montré Gérard Farras dans son étude Le Veilleur des Chagrins, cette fenêtre fermée qui fait pendant à la finestra aperta sull'Historia d'Alberti, résume cette conception moderne du sujet intime, éclairé de l'intérieur et reflétant sur la vitre irisée et obscurcie de la représentation l'image de l'artiste, par quoi nous revenons à ce motif du miroir que André Guyot a ce matin présenté. Tout concourt ainsi, et j'en viens aux dernières lignes de mon propos, à réaligner l'image et ses pouvoirs dans la perspective recentrée du surnaturalisme. Cette perspective emporte avec elle, comme on l'a vu, un discours justificatif qui associe la poésie et la peinture à une pratique magique, à un art de l'enchantement ou de la sorcellerie, récusant de la sorte les arguments qui soutiennent l'imitation ou les recettes éprouvées du métier. On rappellera peut-être la déclaration du Salon de 55 qu'il faut bien considérer comme l'énoncé principiel d'une théorie de l'image et le résumé de toutes ses promesses. Voici ce qu'écrit Baudelaire. « La peinture est une évocation, une opération magique. Et quand le personnage évoqué, quand l'idée ressuscitée se sont dressées et vous ont regardé face à face, nous n'avons pas le droit de discuter les formules évocatoires du sorcier. » L'image est donc une espèce particulière d'extraction. Elle est évocation, ex vocare, c'est-à-dire qu'elle est convoquée par l'effet d'un appel, la puissance créatrice d'une voix, étant ainsi, de par sa nature épiphanique, le produit d'un rite ou d'une pratique occulte. Elle ne saurait se limiter aux seules composantes extérieures de la forme, aux raffinements objectifs de la plastique. Tous les plaisirs d'un paganisme amoureux de la matière sont, vous le savez, à la fois accepté et rejeté par Baudelaire. Les récriminations de l'école païenne en 52 datent la position de Baudelaire à l'heure du Parnasse et de ses ambitions à restaurer l'antique culte des images mythologiques. Baudelaire prend ses distances par rapport à un formisme artistique, passion frénétique de l'art, dit-il, qui n'a cure des notions du juste et du vrai. Et il ajoute « Je comprends les fureurs des iconoclastes et des musulmans contre les images ». J'admets tous les remords de Saint-Augustin sur le grand plaisir des yeux. Le danger est si grand que j'excuse la suppression de l'objet. La folie de l'art est égale à l'abus de l'esprit. La folie de l'art. Arrachée à sa nature de matérialité autant qu'à sa dimension technique, l'image, ainsi que tous les composants qui s'y agencent, couleurs, lignes, lumière, mouvement, apparaît bien comme un conducteur, comme une opération, davantage que comme une œuvre.
L'effet qu'elle est supposée produire atteste son efficacité, sa réalité dans l'ordre des événements spirituels et psychologiques. De là son énergie spécifique, de là sans doute son énergéia particulière, dont elle est bien évidemment le foyer. De là également le surnaturalisme qui consiste à favoriser, au-delà de sa nature physique, matérielle et visible, l'essor d'un invisible accédant à la conscience avec une netteté sans égale. Vous vous souvenez sans doute de la définition que Baudelaire donne du surnaturalisme dans un fragment de Fusée, la couleur générale et l'accent, c'est-à-dire, dit-il, intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur et retentissement dans l'espace et dans le temps. Profondeur et retentissement dans l'espace et dans le temps. Cette qualité de profondeur, si souvent célébrée à propos de Baudelaire, se mesure à l'aune donc de deux dimensions, l'espace et le temps. Espace de l'image, et vous le savez, pour toute la tradition iconographique, l'espace de l'image, c'est d'abord la perspective. Baudelaire, semble-t-il, ne s'en soucie guère. Compte bien plus pour lui la double dynamique de la projection de l'image vers l'avant et de l'eurythmie générale que résument les propos suivants. Dans le Salon de 45, Baudelaire compare l'image picturale de Delacroix aux effets engendrés par l'opium. Chaque objet, dit-il, y apparaît doué d'un sens plus profond, plus volontaire, plus despotique. Une telle peinture est revêtue d'intensité et sa splendeur est privilégiée. Elle révèle le surnaturalisme. L'image monte vers la surface. Puis, concernant toujours la profondeur spatiale dans Fusée, cette notation essentielle relative au charme infini et mystérieux qui gît dans la contemplation d'un navire, vous vous en souvenez, navire à la fois à l'arrêt et au mouvement, cela tient, dit Baudelaire, au besoin de régularité et d'harmonie de l'esprit humain, et surtout, s'agissant du mouvement, à la multiplication successive et à la génération de toutes les courbes et figures imaginaires opérées dans l'espace par les éléments réels de l'objet. Vibrativité, donc, et profondeur. L'objet crée du mouvement imaginaire, une atmosphère imaginaire. Mais c'est sans nul doute dans la dimension du temps et donc de la mémoire que la profondeur de Baudelaire prend tout son relief. À propos de Delacroix, toujours dans le Salon de 46, il note que cette peinture, qui procède surtout du souvenir, parle surtout au souvenir. Certes, il s'agit de cette mnémotechnique propre à l'art pictural, dont il est question dans le chapitre de l'idéal et du modèle de ce même salon, ou encore dans le chapitre du peintre de la vie moderne, l'art mnémonique. Donc je renvoie là-dessus, bien sûr, au développement de Julien Zanetta dans son livre sur la mémoire et les arts. Donc, Julien, tu parles très bien de cela. Mais comment ne pas y voir aussi une donnée fondamentale et nourricière du rapport aux images et à leurs promesses, c'est-à-dire à leurs réserves, à leur puissance, au sens quasi aristotélicien du mot. C'est bien sûr ce dont témoignent explicitement ces quelques lignes extraites de l'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix. Delacroix, écrit Baudelaire, est le plus suggestif de tous les peintres, celui dont les œuvres font le plus penser et rappellent à la mémoire le plus de sentiments et de pensées poétiques déjà connues, mais qu'on croyait enfouis pour toujours dans la nuit du passé. Tout indique ainsi que cette fonction mémorative donne accès à des pensées poétiques, à des souvenirs connus et inconnus, qui viennent frapper à la surface de l'image, comme l'atteste par exemple un poème comme le Cygne dont il a été question ce matin. Déroulement d'emblèmes et de symboles dérivés de l'effigie première d'Andromaque, dont le mouvement aboutit sans s'achever sur cet écho encore obscur venu de la profondeur de l'image, insistant et persuasif. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Comme Dante, perdu nella selva oscura, Baudelaire rappelle ici la grande et l'unique promesse de l'image, finalement laissée affleurer encore dans sa gangue d'invisibilité, dans sa vibrativité profonde, l'inconnu en nous,
et peut-être aussi hors de nous. Je vous remercie. Alors, merci de cette très belle réflexion sur les promesses de l'image, promesses que l'imagination créatrice peut réaliser grâce à la poésie. Et on va donner la parole à Federica Locatelli, qui est professeure associée de littérature française à l'Université de la Vallée d'Aoste, spécialiste de la poésie française symboliste et moderne. Ses recherches se sont focalisées principalement sur l'analyse de l'aspect stylistique et rhétorique du texte poétique. En particulier, elle a consacré ses études à la poétique de Baudelaire. Il y a toujours quelques problèmes avec ce micro. À la poétique de Baudelaire et de Mallarmé. Elle s'est aussi intéressée à la production dramaturgique du XXe siècle et elle a traduit en italien Les Mamelles de Tirésias d'Apollinaire, La Petite Sirène de Marguerite Yourcenar et une sélection de pièces de Jean Tardieu. Elle est l'auteur des ouvrages aussi. Une figure de l'expansion, la périphrase de Charles Baudelaire, 2014. Charles Baudelaire, Il sipario era alzato, uno sguardo sul teatro, 2017. Et encore Stéphane Mallarmé, L'on poursuit noir sur blanc, qui paraîtra prochainement chez Classique Garnier. Le titre de sa conférence, Le choc des images baudelairiennes, Mallarmé et le tombeau du poète des fleurs. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça marche pas, peut-être ? Ah oui. Merci beaucoup pour cette présentation et pour cette invitation. Je tiens aussi à remercier chaleureusement la Fondazione Primoli qui nous a accueillis dans cette salle magnifique. Je voudrais commencer ma réflexion par quelques considérations d'Émile Benveniste sur la langue de Baudelaire. Comme présupposé méthodologique pour aborder ensuite l'analyse du sonnet de Mallarmé, consacré au poète des fleurs. Chloé Laplantine présente ainsi le volume des notes manuscrites du linguiste français. Je cite « L'intérêt de Benveniste pour Baudelaire, c'est l'agir de son poème sur la langue ordinaire, sur la culture, la critique d'une convention. Dans ses feuillets, le linguiste prône une voie épistémologique spécifique consistant à comprendre l'univers poétique de Baudelaire en réfléchissant sur le choix révélateur et sur l'articulation de certaines images censées détruire toute représentation préétablie du réel et manifester l'originalité à la fois linguistique et esthétique de sa poétique. En effet, selon Benveniste, la qualité propre de la langue du poète de la vastitude et de la démesure, c'est d'être, je cite, « débordante d'émotion », même si cette émotion résulte paradoxalement d'un travail méticuleux, le gouvernement de l'imagination, d'être choquante parce que fondée, je cite, sur un langage assumé et vécu comme expérience humaine. Dans l'un des projets de préface des Fleurs du Mal, Baudelaire avertit d'ailleurs son lecteur que sa plume décrit l'immonde, l'incompréhensible, l'inattendu. Que l'on songe au thème de la laideur ou de la putréfaction, parsemant l'œuvre et côtoyant l'apparition imprévisible du beau, aux représentations des vices et du fardeau du temps, par des images aussi efficaces que déroutantes, à l'opposé de toute fausse pudeur. S'il est vrai que, comme l'avoue leur auteur, ces poésies peuvent faire du mal, il est encore plus vrai que grâce à la passion violente, à l'acuité des nerfs
qui les ont inspirées, elles ont marqué en profondeur le panorama littéraire. Vœu infâme et dégoûtant pour certains, mais sincère pour la plupart. Comme l'a remarqué Valérie dans sa conférence de 1924, intitulée « Situation de Baudelaire », ni Verlaine, ni Mallarmé, ni Rimbaud n'eussent été ce qu'ils furent sans la lecture qu'ils firent des Fleurs du Mal à l'âge décisif. Il est impossible de retracer ici l'influence de Baudelaire sur l'artiste de la Crise de verre. Le sujet est si vaste et complexe qu'il mériterait un traitement à part entière. Il suffit, pour notre propos, de citer à titre d'exemple quelques vers célèbres pour comprendre comment les choix lexicaux de Baudelaire, qui relèvent d'un langage dont le but n'est pas d'énoncer ou de décrire, mais de représenter, de faire voir, toujours selon Benveniste, se fusionne dans l'imaginaire de Mallarmé. Le vers de l'éternel azur, la sereine ironie, rappelle bien évidemment le ciel ironique et cruellement bleu du cygne. Ou bien le vers que vous voyez ici, tout en substituant la fumée à la pluie, fait résonner en écho le spleen quand le ciel bas est lourd. Si les références, les renvois et les dialogues sont multiples et féconds, et les critiques n'ont pas manqué de s'y consacrer, nous choisirons, dans le cas présent, de nous concentrer sur le célèbre tombeau que Mallarmé dédie à notre poète pour comprendre la prégnance de certaines images baudelairiennes qui le constituent, afin de réfléchir sur le renouvellement du langage poétique, de plus en plus voué à faire voir et sentir en suggérant le culte de la sensation multipliée mentionnée ce matin. Tout d'abord, nous croyons utile d'ouvrir une brève parenthèse pour situer l'ouvrage dans l'ensemble de l'œuvre de Mallarmé. À l'intérieur de ses poésies, six textes de circonstances partagent le même principe d'inspiration et présentent une certaine cohérence formelle, privilégiant la forme brève par excellence qu'est le sonnet. Nous nous référons aux trois tombeaux de Poe, Baudelaire et Verlaine, aux deux hommages à Wagner et à Puvis de Chavannes, ce dernier étant un sonnet, si l'on admet la dislocation du 11e vers, et au poème « Au seul souci de voyager » consacré à Vasco de Gama. À ces poèmes, il faut ajouter une composition s'inscrivant dans la postérité presque immédiate de la mort du poète impeccable, le célèbre Tosse funèbre. Si chaque tombeau retravaille les images les plus réussies des auteurs célébrés, sans pourtant presque les nommer directement, le fil rouge de cette série, ambitionnant de parler du poète essentiel, est le thème de la mort idéale de l'artiste s'effaçant dans son œuvre, à l'intérieur de cette communication différée qu'est la poésie. Dans le cas du tombeau de Charles Baudelaire, la question qui se pose est la suivante. Que reste-t-il des Fleurs du Mal de ce recueil si choquant au moment de sa parution dans la postérité littéraire après la disparition de leur créateur? Le poème nous semble suggérer une réponse qui vaut, à notre avis, même aujourd'hui, en 2021, alors que nous sommes dans l'année du bicentenaire de sa naissance. Revenons tout d'abord aux circonstances de production du poème en question. Le directeur de la Plume, Léon Deschamps, songeant au projet d'ériger un monument au poète des Fleurs, demande à Mallarmé de présider le comité d'honneur. Par souci de correction envers le comte de Lille, l'écrivain refuse l'invitation, même s'il en accepte la présidence effective. L'intention commune est de publier une plaquette intitulée « Le tombeau de Charles Baudelaire » en demandant à chacun des membres du comité un hommage poétique. Mallarmé accepte avec
empressement. Et comme il écrit au directeur de la revue, je cite, « La page de Mansonnet sera la première de mes préoccupations. » Cela étant, la mort de le comte de Lille l'oblige à prendre la relève. Il demande cependant que son poème ne paraisse pas en tête du recueil. À son avis, sa composition est, je cite, « trop à côté pour être placée en vedette », comme il explique à Deschamps. Finalement, le recueil voit le jour avec, bien évidemment, le sonnet de Mallarmé, intitulé « Hommage » en position prééminente. Après, sa parution avec le même titre dans un numéro de La Plume consacré au poète disparu. Le tombeau de Charles Baudelaire est un sonnet, selon l'esthétique prescrite par le poète en question, parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense, écrivait Baudelaire à Armand Fraisse, définissant d'ailleurs le sonnet comme le cadre adéquat pour contempler un paysage ou un morceau de ciel, donc des images de l'infini, comme l'a souligné André Guyot ce matin. Il respecte malgré tout, selon plusieurs perspectives, les consignes traditionnelles de la structure fixe, même du point de vue du contenu. Deux thèmes, distincts et pourtant contigus, sont développés séparément dans les deux quatrains pour se réunir dans les deux tercets, lieu de l'épiphanie poétique. Dans le cas présent, les deux quatrains présentent Eros et Thanatos, les deux dimensions archétypales d'une dichotomie profondément baudelairienne. Nous pensons par exemple à la symbolique du voyage à Cythère, à Chant d'automne, à Une passante, de pôles entrelacés indissolublement et placés en tant que tels en relation par la conjonction « ou » au début de la deuxième strophe. Au-delà du choix formel, l'intérêt de la composition par rapport aux autres textes commémoratifs réside dans le culte des images, moyen de l'hommage mallarmien au poète, et dans l'équation établie dès le commencement entre son tombeau et l'œuvre laissée en héritage aux générations futures. Pour en rendre compte, Mallarmé choisit une métaphore qui répond aussi bien à l'imagerie des fleurs du mal qu'à son esthétique, en particulier à la réflexion contenue dans les dieux antiques. Le poète enseveli est métaphorisé par le temple, lieu sublime des correspondances, mais qui se transforme ici en une dégoûtante bouche d'égout, bavant boue et rubis abominablement, selon la trouvaille mallarmienne, rappelant la vigueur des contradictions typiques de la poétique de Baudelaire. En lisant le premier quatrain, en étroite relation avec le second, on est frappé d'abord par l'emploi des modes verbaux, divulgue au premier vers, se révèle être un subjonctif concessif ou hypothétique comme torde qui apparaît au second quatrain, et l'absence de soutien pour la première forme verbale de la conjonction « que ». Ensuite, le lecteur est captivé par les choix lexicaux, qui mêlent d'une façon très baudelairienne, comme nous venons de le souligner, le sacré et le profane, la beauté et l'horreur. Si dans les célèbres correspondances, le temple de la nature laissait parfois sortir des confuses paroles, ici, le temple enseveli, l'adjectif sépulcral, réfère littéralement à la tombe du poète creusée dans le sol, est comparé à une bouche d'égout. Dès son poème liminaire au lecteur, Baudelaire évoque d'ailleurs les objets répugnants auxquels nous trouvons des appâts. De même, il mentionne dans Madrigal triste l'irrésistible dégoût en jouant sur l'ambiguïté de l'adjectif. Il semble ainsi édifier, en écho au temple du goût de Voltaire, un temple du dégoût.
Dans cette image saisissante, tout lecteur de Baudelaire voit nettement une allusion à la mission poétique des Fleurs du Mal, qui, dès leur titre, évoque l'extraction de la beauté hors d'un seul fangeux. L'adverbe « abominablement », qui attire l'attention par sa longueur et rappelle la pesanteur des 6 syllabes composant le sempiternellement du squelette laboureur, introduit l'image révélée par les fouilles, au bord desquelles s'accumulent sable et pierres précieuses. Apparaît le visage du dieu égyptien de la mort, Anubis, souvent représenté avec la tête d'un chien ou d'un chacal, comme alarmé l'écrit dans les dieux antiques. Le poète, filant l'isotopie orale des deux premiers vers, bouche d'égout, bave, définit en effet sa grimace comme un aboi, c'est-à-dire un hurlement, une parole proférée qui demande à être écoutée. En transformant ainsi une image plastique en geste expressif, à valeur bien évidemment métapoétique, l'écrivain décrit le museau flambé du dieu animal, dont la voix farouche sur les bas-reliefs semble sculptée par des flammes. La rencontre antithétique entre la boue du voyage de Mesta et Erabunda et le rubis de la chevelure des bijoux témoigne volontairement de la sensibilité choquante du poète des fleurs, ici restituée par Mallarmé, grâce à une métaphore parfaitement réussie. La capacité baudelairienne de faire s'interpénétrer l'imagination mythique et le réalisme trivial apparaît encore davantage dans le quatrain qui suit par l'allusion au lieu où cette fusion s'opère éminemment. Il s'agit du contexte urbain de la ville, célébré au moyen de l'isotopie de la lumière. Très éloigné de l'imagerie de Mallarmé, il constitue en revanche une atmosphère typique et une source d'inspiration des recueils en vers et en prose de Baudelaire. Observons le deuxième quatrain. L'image développée dans ce vers, plus complexe que la première, mais complémentaire de celle-ci, cette image est un quasi-pastiche des tableaux parisiens. À la bouche d'égout, au museau du chien chacal des vers initiaux, se substitue ici le bec de gaz, au rubis, la clarté rouge du réverbère. La flamme hurlée du premier quatrain se reflète en effet dans la lumière artificielle de la ville, ce gaz qui est pour Baudelaire un symbole du monde moderne. Le monde moderne, dit Baudelaire, à propos de Pau, est une grande barbarie éclairée au gaz. Mais ce thème du gaz, qui se relie aussi à l'idée d'explosion, selon Compagnon, surtout dans le spleen de Paris. Baudelaire se présente volontiers comme un casseur des vitres dans un palais de cristal que serait la littérature. Plusieurs poèmes de Baudelaire font coïncider les lumières artificielles de la ville avec le réveil des démons malsains et d'une foule d'habitants de la nuit, reflet inversé et perverti du peuple diurne. Escrocs, joueurs, voleurs, catins, qui n'ont trêve ni merci, se répandent dans une cité de fange, un véritable enfer, comme le suggère cette lumière vacillante, mais toujours présente, comparée pour cela à des flammes. Le second quatrain contient l'écho des vers centraux du crépuscule du soir. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues, et du vin de chiffonnier. Souvent, la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre. La violence des verbes choisis par Baudelaire, tourmente et bat, revient ici dans le subjonctif torde appliqué au gaz. Ce dernier est défini comme récent en tant que symbole des innovations urbanistiques, mais surtout par opposition à l'adjectif immortel qui suit. Le gaz est ainsi confronté de façon dialectique par l'intensité de la flamme avec l'ancien éclairage à l'huile,
à la mèche louche. Ce syntagme mérite une attention spécifique. Le substantif fonctionne aussi en tant qu'activateur de l'isotopie de la chevelure, synecdoque érotique chère aux deux poètes, que l'on pense à la chevelure vol d'une flamme chez Mallarmé, qui contient d'ailleurs l'adjectif tutélaire torche. Renforcé aussi par le sémantisme du prédicat torde, qui rappelle ces vers du poème des Fleurs du Mal, sur les bords du vautier de vos mèches tordues. Si la lampe à huile dissimulait les scènes sordides des nuits parisiennes, essuyeuses en laissé des opprobres subis, la lumière moderne du gaz éclaire en nous dévoilant, allumée à ici la valeur de révéler, comme dans le toast funèbre, l'image d'une prostituée. Par la synecdoque de l'immortel pubis, prostituée qui est la figure sociale et l'emblème poétique à la fois de la mission artistique de Charles Baudelaire. La progression sémantique est bien évidente. Le substantif « mèche » appartenant au réseau de la lumière, mèche d'une bougie, d'une lampe, fonctionne aussi bien pour l'image de la chevelure féminine, celle-ci conduisant par métonymie à l'allusion sexuelle du pubis, comme le confirment d'ailleurs les promesses d'un visage. Quant au syntagme « immortel pubis », il serait assez réducteur de n'y voir qu'une allusion au plus vieux métier du monde, comme on l'a souvent dit. À l'intérieur d'une esthétique dans laquelle la sainteté va de pair avec la volupté et d'une anthropologie où chaque individu apparaît à la fois comme le plus pur et le plus abject, nous lisons dans cette image la suggestion de l'art de Baudelaire, expliqué dans les foules comme la sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière. Suit le dernier vers, extrêmement cryptique d'un point de vue syntaxique. La vision de cette femme poésie se révèle selon le réverbère, ou, si l'on simplifie l'ordre des mots, selon les vacillements de la flamme du réverbère. Autrement dit, avec son vol, elle découche, comme Mallarmé le suggère au moyen d'un apax bâti sur un jeu de mots à valeur érotique. La poésie femme se déplace avec des mouvements sinueux et captivants, voltige dépassant tout le poids de la matière et de la contingence. Comme l'a expliqué Jean-Pierre Richard, cette femme des rues est ainsi l'expression allégoriquement irradiée de l'œuvre de Baudelaire, ainsi que le confirment les vers qui suivent. La conclusion cible en effet la mort, thème central du poème commémoratif, que suggère la métonymie de l'ombre dotée d'une majuscule initiale, mais aussi les expressions plus profondément mallarméennes de vénement, ovale et absente. Comme dans le poème consacré à la mort de Pau, la question posée en clôture consiste dans la réflexion sur un tombeau idéal apte à commémorer le poète disparu. Introduisant le doute par le pronom interrogatif « qu'elle », Mallarmé développe ici le motif classique de Spargite Flores en se demandant quelle fleur pourrait orner éternellement la tombe du défunt. La question posée est la suivante. Quel feuillage votif, voire commémoratif, séché dans les cités sensoires, dans les cités modernes où l'éclairage abolit la distinction entre le jour et la nuit, pourra bénir le marbre de Baudelaire, son sépulcre. Comme elle, la proposition de comparaison renvoie par Silebs à la prostituée du deuxième quatrain, pourra le faire en s'y asseyant dans une attente éternelle. Autrement dit, même si le tombeau de Baudelaire pourrait évidemment s'orner d'une couronne de laurier, l'image de cette femme des rues, adossée à son monument funéraire, conviendra sans doute mieux pour l'immortaliser, représentant cette prostitution fraternitaire qui parsème tout son chemin artistique et cet énorme catin qu'est Paris.
L'explication de ces vers nous est offerte par la suite dans la dernière métamorphose du poème, le pronom « L » du vers 10 se réfléchissant dans l'ombre du vers 13. Une fois que le hurlement enflammé du début s'est dispersé dans la lumière du bec de gaz, laissant apparaître une femme du trottoir, celle-ci s'est déjà dissoute dans l'anonymat d'un pronom, à la manière de la passante ou de la beauté lunaire du désir de peindre, auquel ne répond que le substantif « ombre ». Ce refait correspond au poète disparu, que grâce à son œuvre de prostitution sacrée, aucune enceinte ne pourra à jamais retenir, car il s'enfuit de lui-même pour se repandre éternellement au moyen du poison insufflé par ses fleurs maladives. Nous assistons ici à un véritable processus de vaporisation de l'artiste, action emblématique de l'esthétique de Baudelaire, comme en témoigne « Harmonie du soir » ou bien le célèbre fragment de « Mon cœur en mise à nu », qui se disperse dans son poison tutélaire au sens de protecteur, même s'il s'agit d'une femme à fleur du mal qu'il lui faut respirer, même au risque d'en mourir. Ces vers nous font penser au discours prononcé par le procureur Pinard lors du procès contre les fleurs du mal. Je cite « Croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer ? Le poison qu'elles apportent n'éloigne pas d'elles. Il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige. Elle peut tuer aussi. » Ou bien ces vers du flacon, aimable pestilence, cher poison préparé par les anges, liqueur qui me ronge, ô la vie et la mort de mon cœur. Qui est cette femme, sinon l'emblème d'une poésie, de la charité, de la communion si assidûment recherchée? Qu'est-ce que ce poison tutélaire, sinon le parfum répandu par ces fleurs du mal? Tutélaire signifie bien évidemment qui tient sous sa garde, sous sa protection. Je pense par exemple à Phèdre, Neptune le protège, ce dieu tutélaire. Conformément aux autres poèmes commémoratifs, et ici d'une manière encore plus évidente, c'est l'œuvre laissée par le poète disparu qui sera pour lui-même une garantie de survie et pour les autres une source où puiser éternellement. Ce n'est pas par hasard que celle-ci est suggérée par deux métonymies essentielles, celle de l'ombre et celle du parfum, qui sont les manifestations tangibles d'une présence dans l'absence, de cette image fantôme de Baudelaire à laquelle on a dédié une section dans l'exposition Baudelaire, la modernité mélancolique. Avec un geste homologue au principe de la dissipation et de la concentration, de la vaporisation et de la centralisation, action et condition nécessaires l'une à l'autre, le nom propre du défunt, explicitement mentionné et rimant avec la métaphore de son œuvre, Poison tutélaire, se dissémine, se répand en tant que cendre dispersée dans les deux premiers vers d'un tombeau où il résonne selon une symétrie positionnelle. Et vous le voyez ici. Pour conclure, s'il est vrai que l'art du poème funéraire chez Mallarmé se veut un geste suprême par lequel on confirme l'éternelle survie du défunt dans une sorte de succession intellectuelle, il est vrai aussi qu'il devient le moyen pour ériger en définitive, en véritable pierre tombale, la poésie en tant qu'autelle. Dans ce cadre, le tombeau de Charles Baudelaire fixe par un double mouvement l'œuvre de ce dernier dans un lieu de mémoire qui échappe au hasard et le prolonge dans une conception universelle de l'art. Comme le dit Jean-Pierre Richard, il s'agit du triomphe final d'un être disparu, enfui, rallié, surgi, irradié, subtilement et activement réinstillé en nous. Ce sonnet résume à notre avis de façon concrète, textuelle et explicite ce qu'a été la mission de Baudelaire. La modernité choquante de ces images
et de son message qui résonne encore si fort et clair aujourd'hui, du fait qu'elle trouve son origine dans la réalité vécue, dans la vérité des sentiments et des expériences intériorisées, puis transformées en images évocatrices et devenues poésie, comme le dit Benveniste. Nous voudrions conclure avec ces mots d'Yves Bonfoy, qui condense à notre avis, mieux que d'autres, toute la puissance de l'héritage de Baudelaire. Voilà le maître-livre de notre poésie, Les fleurs du mal. Jamais la vérité de parole, forme supérieure du vrai, n'a mieux montré son visage. Je la vois comme une lumière. Tous les blancs, les noirs et les gris d'un Hamlet selon de la croix, avec, dans l'au-delà, quelque impossible rougeur. La vérité de parole est au-delà de toute formule. Elle est la vie de l'esprit, et non plus décrite mais en acte. Originelle, issue de logis de l'âme, distincte du sens des mots, et plus forte que les mots. Je vous remercie. Merci de cette lecture si riche du tombeau de Baudelaire. Et avant de passer la parole à ceux qui voudraient intervenir, et si je peux faire une notation personnelle, on peut dire que nous avons avec le poète de Fleurs du Mal le cas d'un homme que l'éternité a changé pas seulement en lui-même, mais en image. Une image qui a hanté Mallarmé et de sa jeunesse, mais aussi une image multiple, une image choquante, et qu'on ne pourrait pas réduire à un portrait. Voilà. Et alors, à vous, s'il y a des questions pour Henri Seppi et Federica Locatelli. C'est difficile de poser des questions sur des sujets. Alors, j'avais une notation à faire aussi. Et pour la communication d'Henri Seppi, parce que je suis frappé par cette idée de la ligne, et aussi par ce pouvoir magique de l'image, mais en particulier l'idée de la ligne et du dessin, si vous voulez, qui est enfin une limite pour s'évader, la ligne pour s'évader. Oui, cela mérite en effet quelques commentaires supplémentaires. Traditionnellement, dans l'histoire de la théorie de l'image, on va dire, appliquée à l'iconographie, la ligne et la limite, comme vous l'avez rappelé, c'est-à-dire en vérité le contour qui dessine la forme, donne forme au corps, le modelé, etc. Et longtemps, cette opposition entre ligne et couleur, qui est en fait l'excès de présence dans la manifestation de l'image, très longtemps, cette espèce de tension a prévalu et a permis, en effet, de désigner, de distinguer des familles d'artistes, les coloristes et les dessinateurs. Et de là a découlé, vous le savez, une lecture de l'image dessinée et une lecture de l'image colorée. L'image dessinée étant du côté de l'idée, une forme de conceptualité. Bon. Tandis que l'image colorée, au contraire, était reversée au crédit de la pulsion, de l'émotion, d'une forme de présence, peut-être même d'une forme d'irrationnel. Or, il est tout à fait remarquable que Baudelaire s'interdit de ce jeu-là. Il vise, au contraire, à montrer qu'il y a un coloriste chez Ingres et un dessinateur chez Delacroix, et que par conséquent, la ligne n'est plus la limite, elle est un régulateur et elle permet en effet d'aller au-delà de ce schématisme, de cette espèce de binarisme critique un peu figé dont il veut effectivement se défaire. Donc c'est dans ce sens que j'ai essayé de l'exposer. De plus, dans les textes que j'ai cités, sur Delacroix en particulier, il voit bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il a un regard qui lui permet en effet de comprendre que chez Delacroix, ce qui dessine, ce qui donne forme modelée au corps, c'est la jonction, la conjonction, la fusion des couleurs. Et c'est en effet de cette association de couleurs
que résulte la ligne qui est du coup dynamique, ouverte, structurante sans être limitée. Alors, j'aurais une question pour Henri Seppi, que je remercie pour sa communication. Et vous m'entendez là? Je voudrais revenir sur le rapport entre imagination et image, sur lesquels on portait aussi, apportait aussi la relation de, d'André Guillot ce matin. Alors, vous l'avez rappelé, l'imagination est la faculté la plus puissante, elle est la reine des facultés. Et l'image est de quelque sorte imagination figée, mais qui n'est pas figée, justement. Comme tu l'as rappelé, l'image est quelque chose qui continue à parler et à agir, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et alors, tu l'as rappelé aussi, Baudelaire s'est aussi intéressé beaucoup à la musique. Je pense, on le sait, sur Wagner, mais pas seulement. Et évidemment, les rapports de Baudelaire, la musique, seraient le sujet d'un autre colloque. Mais la question que je voudrais poser est si tu peux dire quelque chose de par-delà la différence technique qui fait que l'image est faite de couleurs, de lignes, de formes, et se déploie dans l'espace, et la musique, elle est immatérielle, mais en même temps, toutes les deux ces formes d'imagination ont à voir avec la mémoire, ont à faire avec la mémoire, et donc peut-être dire quelque chose sur la différence entre l'image iconique, disons, et la musique, pourrait nous aider à cerner mieux ce que, pour Baudelaire, est l'image. Alors, ma question est simplement celle-là, qui est un peu, disons, qui risque de nous dévoyer, disons, par rapport à notre sujet. Si tu peux nous dire quelque chose sur les propriums, disons, hein, sur un proprium possible de l'image picturale par rapport à l'image musicale. Merci. Merci beaucoup, Gianni. Alors, c'est une immense question. Hein. Je ne prétends pas pouvoir répondre en quelques minutes à cette question très, très, très pertinente. En effet, est-ce qu'il y a des moyens de distinguer l'émotion au sens propre du mot, hein, c'est-à-dire la faculté qu'a l'image à mettre en mouvement quelque chose en nous, quand elle provient d'une expérience qui est suscitée par une image visuelle, un tableau, une gravure. André a bien rappelé que l'image, ce n'est pas simplement la peinture, c'est aussi la gravure, c'est la sculpture dont je n'ai pas parlé. Mais bon. Et lorsqu'elle provient de la musique, c'est-à-dire... Alors je crois que la distinction la plus immédiate qui vient à l'esprit, je l'ai à demi-mot rappelé tout à l'heure dans mon propos, mais cela mérite développement, c'est que la peinture, telle que Lessing la présente dans Laocoon, par exemple, c'est tout de même un système de signes. C'est-à-dire qu'il y a une sémiose picturale qui fait qu'on peut parler de langage ou de grammaire de signes, etc. Ces métaphores-là, ce sont des métaphores opératoires. Je veux dire qu'elles ne sont pas simplement des équivalents critiques qui permettent... Bon. Inversement, lorsqu'on parle de musique, il est plus difficile de parler de langage musical, même si nous le faisons couramment, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de sémiose musicale. La musique ne signifie pas. Elle ne signifie pas. Elle emporte avec elle un certain nombre d'émotions qui sont des émotions liées à des perceptions auditives qui suscitent quelque chose en nous, et qui est d'abord physique. Et ensuite, on traduit cela de façon très personnelle, très libre, sous forme de souvenirs, d'images, qui sont des images intérieures. Donc, ce qui, me semble-t-il, pourrait à la fois distinguer les deux systèmes, le système pictural et le système musical, ce serait donc ce caractère
sémiotique d'une part, non sémiotique de l'autre. Maintenant, on peut rapprocher les deux systèmes et y voir, par exemple, ce que Edgar Poe, dans ses notes, dans ses marginalia, définit sous l'angle de la suggestivité. La capacité qu'a la peinture aussi bien que la musique à suggérer quelque chose, ne signifiant pas, elle suggère. Elle porte, si vous voulez, une énergie. Alors, pour Baudelaire, cette énergie est bien sûr, comme je l'ai rappelé, essentiellement soutenue, véhiculée par la couleur, mais pas seulement. Le mouvement est aussi très important dans la lecture que fait Baudelaire des images, et notamment des images peintes, mais aussi l'atmosphère, ce qu'il appelle l'atmosphère. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel, si vous voulez, qui est suggéré par l'image picturale, et qui, me semble-t-il, est également la propriété de la musique. Cette immatérialité qui fait qu'un mouvement, une atmosphère, conduisent en effet à favoriser cette suggestivité dont parle Poe, et Poe d'ailleurs fait de cette suggestivité une des fonctions éminentes de la poésie. C'est par là qu'il y a poésie, donc en prose ou en vers, qu'importe. Donc la dimension poétique de la peinture comme de la musique proviendrait dans cette hypothèse, et je m'arrêterai là, de cette capacité qu'ont les deux arts à suggérer en effet un monde d'images que chacun porte en lui. La grande liberté finalement que voudrait reconnaître Baudelaire à l'image, encore une fois, dans un climat de dépression esthétique. On est dans un climat où l'image, enfin ce matin on l'a évoqué, où l'image est mise à mal, où elle disparaît, elle n'existe quasiment plus. Il y en a trop, donc on ne sait plus de quelle image on parle. Anne Reverso a évoqué ce problème à partir d'un point de vue renversé qui est celui du XXe siècle, mais cette réalité est historique et attestée, et par conséquent Baudelaire veut valoriser, veut promouvoir une certaine forme d'image, qui est celle que j'ai essayé de dire et que Gianni a parfaitement résumé. D'ailleurs, Gianni, merci d'avoir résumé dans la première partie de ta question ma communication. Elle aurait pu tenir en 30 secondes. Bon, on peut toujours faire beaucoup plus bref. Merci infiniment à toi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu ou si j'ai donné quelques éléments de réponse à ta question. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions? Parmi les étudiants, et Eliana, cet après-midi, si vous avez le courage de poser une question, il y a des spécialistes de la poésie du 19e siècle, ce qui n'arrive pas toujours. Je voudrais demander à Federica Locatelli à ce point s'il y a quelque chose en particulier qui distingue le tombeau dédié à Baudelaire par rapport aux autres tombeaux, à votre avis, même aux tosses funèbres, je ne sais pas, mais nous savons que Baudelaire a influencé profondément Mallarmé dans la période de sa jeunesse, disons. Oui. J'essayais de souligner la cohérence formelle qui réunit ces textes commémoratifs, mais j'ai insisté sur cette exaltation d'une poétique et du visuel qui caractérise Baudelaire selon Mallarmé. Et en effet, il s'agit du texte commémoratif qui, à mon avis, contient le plus d'images efficaces qui font voir, c'est un peu la question, je me rattache à ce que vous venez de dire, de la suggestion. Et la suggestion pour Mallarmé consiste aussi dans le champ des images qui font voir. Il y a cette célèbre citation qui oppose la nomination à la suggestion. Nommer et suggérer, voilà le rêve. Donc il voit chez Baudelaire cette poétique du visuel qui se rattache du rêve, hein, d'une prose musicale et poétique. Merci. Alors s'il n'y a pas d'autres questions...